Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bonjour, cher public, Yorana, représentant de la presse, Yorana, Ya Maite Itato, je salue le personnel aussi, dévoué, toujours présent. Avant de poursuivre nos travaux, je vous informe que la conférence des présidents de groupe réunie lundi dernier a donc validé nos travaux pour aujourd'hui et demain, à savoir donc que nous terminons l'ordre du jour qui comporte essentiellement, vous le savez, les comptes administratifs de nos établissements. Et il est donc prévu demain matin, dès 9h, que nous examinions le projet de loi statutaire. D'autre part, cette même conférence des présidents de groupe réunie l'année dernière a proposé un complément à l'ordre du jour de cette séance pour examiner le dossier relatif à une proposition de résolution tendant à organiser les élections pour le renouvellement intégral de l'Assemblée de la Polynésie française en mai 2008. Cette résolution a été examinée par la Commission des institutions vendredi dernier et la conférence des présidents a donc retenu son inscription à l'ordre du jour. Je demande donc à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour complété qui est pour, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. L'ordre du jour est modifié. Je vous propose d'examiner maintenant, de prendre donc la suite de nos dossiers, de l'examen de nos dossiers, d'examiner le rapport numéro 056-2007 relatif à trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du lycée polyvalent de Papara. Je vous propose, Fabiola Tata et Juliette Tahuatama étant absents, je vous propose de nommer René Koumoutini comme rapporteur de ce dossier, si vous en étiez d'accord. Pas d'objection. Donc René Koumoutini va assurer cette tâche. Je vous demande d'autre part de nommer deux secrétaires de séance, puisque je me retrouve sans secrétaire. Je vous propose René Kohumoetini et Tuicho Katibuyar, si vous en étiez d'accord. J'ai besoin de signature. Pas d'objection. Ou Véronique Hamon. Véronique Hamon et Cathy Tuichot-Buyard. Pas d'objection? Bien. D'autre part, je vous informe que le dossier numéro 65-2007, qui est celui régulièrement inscrit en dernier de l'ordre du jour, sera examiné après les comptes du lycée de Papara. Monsieur René Koumoutini, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, mes salutations de ce jour. Nous allons commencer et puis directement. Alors, par lettre numéro 118, 119 et 120 PR du 22 mai 2007, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du lycée polyvalent de Papara. Rappel sommaire des missions et des moyens. Mission établissement public d'enseignement créé par la délibération numéro 2001-79-APF du 5 juillet 2001. Le lycée polyvalent de Papara est géré par un conseil d'établissement composé de 30 membres, dont le président est le ministre de l'Éducation.
Il comprend un représentant de l'Assemblée de la Polynésie française qui était en 2002 et 2003 M. Eugène Besser, en 2004 Amaral Naya Teripaya. Les moyens, les effectifs réels en personnel appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Alors, je vais vous donner donc les totaux des catégories du personnel, personnel de direction, personnel administratif, personnel d'encadrement, personnel d'entretien et de santé, personnel enseignant. Alors, nous avons en 2002, 90, en 2003, 98 et en 2004, 101. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit. Alors, je vais vous donner donc les totaux en ce qui concerne les ressources, subventions territoriales, ressources propres et autres ressources. Donc, pour l'année 2002, 274 456 760. Pour l'année 2003, 73 561 721 et pour l'année 2004, 92 022 449. Examen des comptes financiers 2002, 2003 et 2004. Exécution du budget des exercices, les grandes masses. À la clôture des exercices considérés, les comptes financiers se présentent comme suit. Là également, je vais vous donner donc les résultats. Fonctionnement et investissement pour l'année 2002. Résultat plus 6 959 169 en fonctionnement et en investissement. Résultat global plus 6 707 558. Et en 2003, plus en fonctionnement plus 5 231 001. Et en investissement et résultat global, plus 4 350 721. Et en 2004, en fonctionnement, plus 3 228 592. Et résultat global d'investissement, plus 206 338. Les éléments déterminants du résultat. D'abord, les comptes de résultat. Alors, les charges, je vous donne les totaux des charges. En 2002, 165 348 782. En 2003, 73 292 678. Et en 2004, 88 366 938. Total des produits. En 2002, 165 348 782. En 2003, 73 292 678 et en 2004, 88 366 938. Les résultats intermédiaires, là, en solde, en 2002, 6 959 169, en 2003, 5 231 001 et en 2004, 3 228 592. L'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement de 2002 à 2004 est la suivante. Là également, je vous donne les totaux actifs et passifs sur l'actif immobilisé net, actif circulant. Donc en 2002, total 120 146 178. 2003, 92 442 920. Et en 2004, 74 211 892. En passif, le total en 2002, 120 146 178. Et en 2003, 92 442 920. Et en 2004, 74 211 892. Situation patrimoniale. Au cours des deux derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison des facteurs suivants.
bénéfice 3 228 592 francs CFP, réduction des dettes, moins 2 820 748 francs CFP, évolution de l'actif immobilisé, actif net 5 785 271, moins 677 941, sortie d'inventaire, et moins 5 107 330 francs CFP. Mode de financement, ressources propres, 2 807 701 francs CFP, subvention d'investissement, 2 977 570 francs CFP, immobilisation 2004. Affectation des résultats. À l'issue des exercices considérés, les comptes financiers du lycée polyvalent de Papara affichent respectivement les résultats globaux suivants. En 2002, plus 6 707 558 francs CFP. En 2003, plus 4 350 721 francs CFP. Et en 2004, 206 338 francs CFP. Compte tenu de ces résultats, le fonds de roulement de l'établissement évolue comme suit. En 2002, 7 649 848 francs CFP. 2003, 12 369 francs CFP. Et en 2004, 12 206 707 francs CFP. Quant au résultat d'exploitation, il est excédentaire sur les trois exercices examinés. En 2002, 6 959 169 francs CFP. En 2003, 5 231 001 francs CFP. Et en 2004, 3 228 592 francs CFP. Les trois projets de délibération affectent le résultat de fonctionnement de l'établissement pour les exercices 2002, 2003 et 2004 de la manière suivante. Compte d'affectation, en 2002, compte 106-81, réserve service général 5 953 658 francs CFP. En 2003, 1 241 448 francs CFP. En 2004, moins 1 027 388 francs CFP. Compte 106-84, réserve services spéciaux. En 2002, 1 005 511 francs CFP. En 2003, 3 989 553 francs CFP. Et en 2004, 4 255 980 francs CFP. Et le total, en 2002, plus 6 959 169 francs CFP. Et en 2003, plus 5 231 001 francs CFP. Et en 2004, plus 3 228 592 francs CFP. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous propose, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter les trois projets de délibération ci-joints. Merci, Monsieur le rapporteur. Bonjour, Monsieur le ministre. Vous voulez intervenir à ce stade-là? Non. Donc, je vais ouvrir la discussion générale. La conférence des présidents a retenu 45 minutes pour cette discussion. Je vais interroger le groupe UPLD qui dispose de 21 minutes. Qui intervient au nom du groupe? C'est Madame Véronique Amon. Madame Amon, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre, chers collègues représentants, chers publics ici présents et de par le monde, bonjour et Yorana. Effectivement, l'examen du rapport relatif aux comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du lycée polyvalent de Papara me donne encore l'occasion de pointer du doigt les problèmes les plus criants de l'établissement afin que nos enfants puissent poursuivre leurs études dans des conditions convenables. Je ne voudrais pas m'étendre sur les missions du lycée développées dans le rapport, qui sont un peu réduites à quelques personnalités du conseil d'administration. Je crois que le lycée polyvalent de Papara mérite mieux et vise plus haut pour l'avenir l'intérêt de nos jeunes gens de la côte sud de Tahiti. Je n'ai pas décelé dans le rapport
les effectifs qui peuvent nous donner une centaine d'idées du pourquoi des moyens en personnel et des moyens financiers. Mais je me suis procuré quelques renseignements intéressants auprès de l'administration de l'établissement afin de nous éclairer sur la progression et l'importance de l'organisation du travail dans le lycée polyvalent de Papara. Comme vous le savez tous, ce lycée est récent. Il a été ouvert en 2001 avec 426 élèves. Puis la progression s'est poursuivie assez rapidement avec 695 élèves en 2002, 787 en 2003 et 886 en 2004. Cette augmentation touche aussi bien le lycée général et technique que le lycée professionnel. Actuellement, à la rentrée de 2007, les effectifs se montent à 1020, dont 655 élèves fréquentent le lycée général et technique et 365 fréquentent le lycée professionnel. La période qui nous intéresse dans ce rapport, c'est-à-dire les années 2002, 2003 et 2004, a vu s'ouvrir en 3 ans au niveau du lycée général et technique 7 classes de seconde avec 198 élèves, 7 classes de première avec 180 élèves et enfin 6 classes terminales avec 182 élèves. 4 BEP sont préparés au lycée professionnel qui concernent le secrétariat, la comptabilité, l'électrotechnique et le bioservice. Ces effectifs et ces structures pédagogiques demandent des moyens en personnel qui sont passés de 90 à 101, témoignant ainsi de la vitalité et de la progression de l'établissement. Les moyens financiers, après une période de transition dans la gestion collège-lycée en 2001-2002, période d'ouverture, ont progressé aussi avec 70 millions en 2003 et 90 millions en 2004. Cependant, ces effectifs et ces moyens importants ne doivent pas cacher quelques problèmes préjudiciables au bon déroulement de l'établissement. Ces problèmes, il serait souhaitable de les résoudre dans les plus brefs délais. Je citerai entre autres et je dirai qu'il serait urgent d'agir au niveau de la route d'accès au lycée. Celle-ci est très étroite et très dangereuse pour nos lycéens. Faut-il des mots pour réagir? Parce qu'actuellement, nous sommes au stade des accidents et des blessés. Pas plus tard qu'à la rentrée de cette année, il y a eu un blessé. Votre prédécesseur, Monsieur le ministre, a reçu une lettre dans ce sens. Il serait également urgent aussi d'agir sur le remblai de la zone marécageuse qui se trouve près du plateau sportif, d'évacuer les eaux afin d'offrir un espace plus important au sport scolaire et d'éviter les déplacements vers la commune voisine qui gentiment prête le complexe sportif à la disposition du lycée de Papara. Est-ce trop demandé? La construction d'un complexe sportif proche du lycée pour être en phase avec cette citation célèbre de Montaigne, un esprit sain dans un corps sain. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, je vous remercie d'avance pour les enfants venant des communes de Paia, Papra, Tevayuta et aussi pour les et surtout pour les pensionnaires venant des îles de Marquise, des Tuamotu, des Australes et d'ailleurs. Enfin, et pour aller dans la même lignée, dans le même esprit que notre rapporteur René Kourmoutini, les représentants de l'UPLD soutiennent l'idée et vous demandent tous d'approuver ces comptes financiers du lycée de Papara. Je vous remercie de votre attention et bonne journée à tous. Merci bien, Madame Amon. J'appelle l'intervenant du groupe Polynésien Ensemble. Madame Tilda Foulet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Yorana.
Sur les trois projets de délibération portant approbation des trois comptes financiers du lycée polyvalent de Papara 2002-2003-2004, je tiens à rappeler, bien que cela ait été dit ici de nombreuses fois, qu'il est anormal de valider des comptes plusieurs années après leur réalisation. Quelle est la pertinence financière de ce travail? Il est de plus regrettable de ne pas avoir, dans les documents qui nous sont transmis, les explications des variations significatives d'une année sur l'autre, aussi bien au plan des recettes et des dépenses, des charges et produits que de l'actif et du passif. Cependant, malgré ce retard, je vois un élément positif, la possibilité de comparer plusieurs années et ainsi dégager des tendances dans certains domaines grâce aux rapports d'activité qui sont plus proches de la vie réelle de l'établissement que les comptes financiers présentés. Lorsque je vois un taux d'absentéisme avoisinant les 10%, je suis inquiète et je souhaite savoir ce qui est mis en œuvre pour lutter contre ce fléau. Lorsque je constate sur les rapports d'activité des années 2003 et 2004 que le niveau des équipements pour l'éducation physique et sportive est insuffisant, je me demande quelles sont les actions entreprises pour offrir à nos enfants les éléments indispensables, d'une part à leur épanouissement physique et d'autre part à leur réussite scolaire. Constater que le nombre d'élèves scolarisés au lycée polyvalent de Papara et ailleurs, en Polynésie française, augmente d'année en année est rassurant. Le niveau d'instruction de nos enfants ne cesse de s'améliorer, c'est une bonne chose. Parallèlement à cela, je m'interroge sur les actions, les projets à court, moyen et long terme que tous les acteurs économiques de la Polynésie française doivent mettre en œuvre pour créer suffisamment d'emplois pour cette jeunesse pleine d'attentes et de plus en plus qualifiée. Les incertitudes, les revirements politiques, les changements de gouvernement ne sont pas le facteur de stabilité attendu par les investisseurs et tous les intervenants du monde économique. L'instabilité politique que certains représentants entretiennent n'est pas favorable à la création d'emplois sur notre Fénois. Ma seule préoccupation est l'avenir de la Polynésie française, des Polynésiennes et des Polynésiens, et aujourd'hui je suis inquiète de voir que l'importance des enjeux qui nous attendent n'est pas prise en compte ou n'est pas comprise par tous. Pour en revenir aux comptes financiers des années 2002, 2003 et 2004 du lycée polyvalent de Papara, je vote pour. Merci de votre attention. Merci, Madame Fulet. Pour le Tahoeira Huidatira, Madame Roumont Splore, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, bonjour, Monsieur le Ministre. Messieurs, Madame les représentants, chers collègues Yorana, comme pour ce qui concerne le Collège de Papara, les présents comptes financiers n'appellent aucune observation particulière. Ils ne font que traduire la bonne gestion financière de cet établissement. Je note d'ailleurs que lors de la commission spécialisée, mes collègues n'ont pas jugé utile de demander des explications approfondies, ce qui traduit la clarté des comptes qui nous sont soumis. Mais je sais également qu'au niveau pédagogique, cet établissement se distingue par le dynamisme de ses équipes pour donner toutes les chances de réussite aux élèves. Je voudrais donc, au nom de mes collègues, féliciter tous ces professionnels pour leur travail. Je constate par ailleurs que le nombre de ces professionnels est en constante augmentation depuis l'ouverture de cet établissement scolaire en 2001. D'une soixantaine de personnes travaillant dans ce lycée, nous sommes passés en 2004 à une centaine. Cette augmentation de personnel est surtout présente au niveau de l'équipe enseignante. J'en déduis que les effectifs des lycées sont donc en constante augmentation aussi. Mais le rapport est sur le point totalement muet. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous éclairer sur le nombre de lycéens qui fréquentent cet établissement et plus particulièrement sur ceux qui viennent des îles, puisque lors de son ouverture, il avait été convenu que les enfants originaires des Australes étaient
prioritaires pour leur inscription au lycée de Papara. Voici, Monsieur le Président, les quelques observations que je voudrais formuler au sujet de ces comptes financiers. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, Madame Flo. Pas d'autres intervenants sur ce dossier, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, le public, je saisis au bon les remerciements et les félicitations de la conseillère du Tahoe-Rahal à l'égard des enseignants qui dispensent un enseignement, je crois, de très grande qualité, et je me ferai un plaisir de leur transmettre ces félicitations parce que je crois que c'est un personnel qui a besoin d'être encouragé tant ils s'investissent effectivement pour le bien de nos enfants. D'ailleurs, cette qualité de l'enseignement que la représentante du groupe de centre a relevé, c'est certainement consécutif à ce travail de qualité qui est fourni par les enseignants, car même si on a relevé un taux d'absentéisme de 10%, des structures ont été mises en place, en particulier une cellule vie scolaire, qui tente justement de remédier, d'abord de déceler d'abord exactement d'où proviennent et quelles sont les raisons de ces absences, et ensuite de pouvoir les annihiler dans la mesure du possible, l'espoir étant que ça ne dégénère pas en abandon de scolarité, parce que ça aussi c'est un mal qui mine un petit peu la scolarité de nos jeunes adolescents. Je voudrais par ailleurs remercier la représentante du groupe du centre pour les données statistiques, qui constituent d'ailleurs des éléments de réponse à la représentante du Tahoe-Rahal pour ce qui concerne les effectifs. Il n'y a pas de raison pour que les élèves des Australes, puisqu'ils sont destinés à venir également dans cet établissement, ne trouvent pas leur place, puisque des analyses sont préalablement établies de manière à donner la priorité à ces élèves venant des archipels éloignés, tant pour ce qui concerne l'admission en internat que l'admission dans l'établissement. Pour ce qui concerne la route d'accès, c'est un problème qu'il va falloir voir soit avec le territoire, soit avec la commune. Je prends note du problème. Concernant le remblai de la zone marécageuse, c'est un problème dont j'avais déjà abordé l'étude conjointement avec le ministère de l'Équipement et la mairie de Papara. C'est une opération, je crois, qu'il va falloir complètement reprendre à zéro, parce que je n'ai pas su quel a été le suivi qui a été assuré par mon prédécesseur. Pour ce qui concerne le complexe sportif, je voudrais simplement rappeler que lors de l'exercice 2002 à 2004, nous avons procédé à la construction d'un internat plus la construction d'un logement de fonction, quelque chose qui paraît utile aujourd'hui puisque ça permet de recevoir correctement les élèves internes, tant garçons que filles, à cet internat. C'est une opération qui a coûté une enveloppe de 155 millions et qui est maintenant réalisée et qui permet effectivement à l'établissement d'assumer une croissance tout à fait normale. Pour l'instant, nous avons inscrit la réalisation d'un atelier d'électrotechnique. Les travaux n'ont pas encore démarré, mais ils attendent mon aval pour une enveloppe de 105 millions. Mais l'architecte a été décelé et une de mes préoccupations, c'est de pouvoir engager l'ensemble des crédits de financement de manière à pouvoir engager les crédits avant la fin de l'exercice 2007. Or, il y en a pour 800 millions, près de 900 millions de travaux à engager, tant pour ce qui concerne les constructions que pour ce qui concerne la maintenance ou les équipements. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques observations que je pouvais faire. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, vous voulez, monsieur le rapporteur, nous donner lecture de la délibération, commencer par l'exercice 2002. Oui. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du lycée polyvalent de Papara pour l'exercice 2002 est arrêté à 274 456 760 francs CRP, se décomposant en section 1, fonctionnement 165 348 782 francs CRP et en section 2, investissement 109 107 978 francs CRP, total général 274 456 760 francs CRP.
La discussion est ouverte sur l'article 1er. Pas d'intervention. Je mets l'article 1er au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée polyvalent de Paparin pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 267 749 202 francs CRP, se décomposant en section 1, fonctionnement, 158 389 613 francs CRP, et en section 2, investissement, 109 359 580 francs CRP, total général 267 749 202 francs CRP. Sur l'article 2, pas de discussion, même vote, il est adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du lycée polyvalent de Papara pour l'exercice 2002 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, section 1, 165 348 782 et en section 2, 109 107 918 francs et en total 274 456 760 francs. Et en dépenses, section 1, 158 389 613 et en section 2, 109 359 589 et en total 267 749 202. Et résultat, section 1, plus 6 959 169 et en section 2, moins 251 611. Augmentation du fonds de roulement, en total, plus 6 707 558. Sur article 3, pas d'intervention, je soumets au vote, même vote adopté. Article 4. Article 4, le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit. Compte 106.81, réserve service général, 5 953 658 francs CRP et compte 106.84, réserve de services spéciaux 1 500 511 francs CRP. Sur l'article 4, même vote, il est adopté. Article 5. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF. L'article 5, même vote, est adopté. La délibération, même vote, la délibération est adoptée. Exercice 2003, monsieur le rapporteur. Article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier du lycée polyvalent de Papara pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 73 561 721 francs CRP, se décomposant, section 1, fonctionnement, 73 292 678 francs CRP et en section 2, investissement, 269 043 francs CRP. Total général, 73 761 721 francs CRP. Discussion est ouverte sur l'article 1. Pas de discussion, je soumets au vote. Qui est pour ? À l'unanimité, l'article 1 est adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée polyvalent de Papara pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 69 211 200 francs. Alors, c'est deux composants comme si, en section 1 fonctionnement, 68 061 677 francs CRP, en section 2 investissement 1 149 723 francs CRP et total général 69 211 200 francs CRP. Article 2, même traitement, il est adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du lycée polyvalent de Papara pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il fit en recette. Section 1, 73 292 678. Section 2, 269 043. Et en total, 73 561 721. En dépenses, section 1, 68 061 617, section 2, 1 149 723, et total 69 211 200. Et en résultat, section 1 plus 5 231 101, et en section 2, moins 880 480.
et augmentation du fonds de roulement, plus 4 350 521. Article 3, même vote, il est adopté. Article 4. Article 4, le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit. Compte 101 106 81, réserve service général 1 241 448 francs CRP. Compte 106 84, réserve service spéciaux 3 989 553 francs CRP. Sur l'article 4, même vote, il est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF. Le 5, même vote, la délibération est adoptée à l'unanimité. Exercice 2004, monsieur le rapporteur. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du lycée polyvalent de Paparin pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 92 022 449 francs CRP, se décomposant, section 1, fonctionnement, 88 366 938 francs CRP, et en section 2, investissement, 3 655 511 francs CRP, et en total général, 92 022 449 francs CRP. La discussion est ouverte sur l'article 1er, pas d'intervenant. Je soumets au vote l'article 1er. Qui est pour ? À l'unanimité, il est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée polyvalent de Papara pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 91 816 111 francs CRP, se décomposant en section un fonctionnement 85 138 346 francs CRP et en section 2 investissement 6 677 765 francs CRP. Sur l'article 2, je soumets au vote, c'est le même vote adopté. Article 3. Article 3, le résultat du compte financier du lycée polyvalent de Papara pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, section 1, 88 366 938, en section 2, 3 655 711, total 92 022 449. En dépenses, section 85 138 346 et en section 2, 6 677 765 et total 91 816 111 et résultat en section 1, plus 3 228 592 et en section 2, moins 3 022 254. Et augmentation du fonds de roulement, plus 206 338. Article 3, même vote, il est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit. Compte 106 81, réserve service général, moins 1 027 388 francs CRP. Compte 106 84, réserve service spéciaux, 4 255 980 francs CRP. Article 4, même vote, il est adopté. Article 5, exécution, même vote, il est adopté. Oui, monsieur Bouissou. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, je saisis l'opportunité de l'étude de ces dossiers et concernant le lycée polyvalent de Papara pour poser une question d'ordre général à notre ministre. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais j'avais reçu un tableau il y a quelques semaines sur les taux de réussite ou d'échec au bac. Et je me suis aperçu que ce taux de réussite a fortement chuté en 2007. Sur la période scolaire 2006-2007, est-ce que, d'abord, un, il a connaissance de ces chiffres? Si oui, quelle est son analyse de la situation? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'échecs au bac constatés cette année? Voilà, merci. Madame Mercieron, vous avez la parole.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi profiter de l'occasion de la présence du ministre pour lui poser une question sur les auxiliaires de vie scolaire. C'est un dossier qui me paraît devoir avancer absolument. Aujourd'hui, le besoin de pérenniser l'activité des auxiliaires de vie scolaire fait l'unanimité, parce que c'est un élément essentiel de la scolarisation des enfants handicapés. Et aujourd'hui, où on parle notamment de la difficulté d'insertion des enfants trisomiques, il me semble que c'est l'occasion d'en parler. Or, il se trouve que si les premiers auxiliaires de vie scolaire ont bénéficié d'un statut de DIJ, ils ont ensuite bénéficié de CDD, et on en est là. Or, il est indispensable, me semble-t-il, puisqu'on a les financements et le besoin, de pérenniser la fonction en mettant en place, dans le cadre du statut de la fonction publique, et nous avions commencé le travail il y a quelques mois, donc il est nécessaire de présenter à l'Assemblée très rapidement un projet de délibération qui organise le statut de ces auxiliaires de vie scolaire pour, d'une part, garantir la présence et la professionnalisation de ce métier et de ces auxiliaires de vie scolaire, et surtout pour éviter que l'on soit pris de court par des procès et des contentieux que pourraient faire des personnes qui exercent ces fonctions d'auxiliaire de vie scolaire et dans la situation pourraient se trouver, si on y prenait garde, en non-conformité avec le droit du travail. Donc je voudrais que vous nous disiez quelle est votre position sur le sujet et si vous avez l'intention de poursuivre ce dossier, dans quel sens envisagez-vous d'aller ? Et dans le même sens, et parce que ça concerne aussi l'éducation, je voudrais vous poser un petit peu le même type de questions à propos des auxiliaires de prévention, ce qu'on appelle les EPAP dans les collèges et dans les lycées. Quelle est votre position sur le sujet ? Est-ce qu'ils vont rester des personnes en situation, je dirais, un peu de précarité ? Ou est-ce que là aussi, vous estimez utile d'envisager qu'ils aient un statut qui les rassure et qui les mette aussi à l'abri qui nous mette à l'abri aussi de recours en contentieux qui pourraient arriver très rapidement parce que dans les collèges et dans les lycées, on a tendance à reprendre les mêmes aides de prévention et parce qu'ils sont bons, parce qu'ils rendent service, et là aussi le besoin est avéré. Donc je vous remercie de me répondre sur ces deux points qui me paraissent importants. Merci. Monsieur Briand et puis Monsieur Massoulaire ensuite. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Mon intervention, Monsieur le Président, chers collègues, c'était par rapport à ces questions qui sont posées, qui ne sont pas à l'ordre du jour par rapport au problème qui est posé. Et je me rappelle de nos interventions de la semaine dernière dans un échange très instructif avec le ministre, lorsque Mme Mercereau nous a rappelé à l'ordre pour revenir sur le sujet. Donc je peux comprendre que lorsque c'est nous qui sortions du sujet, nous avons un rappel à l'ordre, donc on a été respectué et on est revenu au sujet. Et lorsqu'il s'agit de questions qui sont posées par Mme Mercereau, nous serions obligés d'entendre la réponse avant de passer à l'ordre du jour. Je crois que les sujets qui sont ici auraient déjà dû être débattus et le problème aurait été réglé en commission permanente. Ce n'est pas l'objet de notre discussion. C'était simplement pour rappeler comment l'histoire serait écrite. J'y verrai, M. Briand, au prochain dossier. M. Massoulaire. Merci, M. le Président. Chers collègues, évidemment, mon intervention va se trouver à cheval sur celle que vient de faire Mme Mercereau et M. Jacques Briand, mais je crois que l'occasion nous est donnée avant que le ministre, qui a un emploi du temps très chargé, nous quitte. Je voudrais lui poser une question qui n'est pas liée effectivement
au lycée de Papara, seulement au lycée de Papara, seulement au lycée de Papara. En effet, Monsieur le Ministre, nous lisons dans la presse depuis quelque temps déjà, et ce depuis la rentrée, qu'il existe un différend entre le vice-rectorat et le personnel, et certains personnels enseignants du public, en matière de rémunération. En effet, il semblerait qu'il ne soit pas payé sur les 12 mois, mais uniquement sur les 10 mois. Auriez-vous la possibilité de nous donner quelques informations à ce sujet-là? Merci. Bien, merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, mesdames et messieurs les représentants, pour vos questions. Pour ce qui concerne la première question, je dirais à Monsieur Buissou que je lui donnerai les éléments de réponse dans un courrier que je lui adresserai, puisque je n'ai pas eu le temps de consulter ses résultats, et surtout de lui donner les causes de cette baisse apparemment relativement importante des résultats au bac. Mais je lui promets de lui adresser des renseignements par écrit dans un courrier que je lui adresserai. Pour ce qui concerne les ABS, je crois que la question est importante. Nous avons à plusieurs reprises manifesté notre intérêt à l'égard des handicapés, qu'il s'agisse de la vie professionnelle ou qu'il s'agisse de l'intégration scolaire, sujet dont il est question ici. C'est un dossier relativement récent, et donc ce que nous avons adopté comme attitude jusqu'à présent, c'est de mobiliser les jeunes à la recherche d'emploi avec son titulaire du bac, de manière à pouvoir assurer cet encadrement, bien que, en fonction de la diversité des handicaps, il faut reconnaître que ces personnes ne sont pas toujours bien adaptées au cas d'espèces spécifiques d'handicap. Donc, je crois que ça mérite effectivement une réflexion importante. D'aucuns trouvent que on pourrait continuer la formule actuelle, c'est-à-dire d'utiliser les jeunes bacheliers à la recherche d'emploi, d'autant que c'est considéré comme des situations temporaires, où ils sont payés à 65 francs du SMIC. Mais ma préoccupation immédiate, c'est de pouvoir les payer jusqu'à la fin de l'année civile. C'est ce que nous venons de faire, puisque les comptes qui ont été prévus n'assuraient leur salaire que jusqu'au mois de septembre, je crois. Et donc, ils ont manifesté leur mécontentement à juste titre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenté de régler le plus urgent, à savoir d'assurer leur traitement jusqu'à la fin de l'année civile. Cette opération est faite. Pour ce qui concerne la pérennisation de ces emplois, ainsi que des effectifs d'aide à la prévention, c'est effectivement quelque chose qui mériterait une réflexion, mais je pense que le ministre de l'Éducation n'est pas seul à impulser cette réflexion. Je pense que c'est peut-être d'abord au niveau du gouvernement, mais également avec un débat à l'Assemblée, car si vous interrogez le ministre de la Fonction publique, il va vous faire des réserves sur la possibilité, en fait, à travers cette ouverture que nous allons faire, de voir arriver énormément de monde pour assurer des fonctions qui, jusque-là, n'ont pas encore été clairement déterminées. Quant à l'utilité de ces personnes dans l'encadrement et l'accompagnement des élèves handicapés, je crois qu'il n'est nul besoin d'en démontrer l'utilité. Je crois que tout le monde en est convaincu. Le seul problème, vers quelle filière, vers quelle forme de pérennisation allons-nous tendre? Et je pense que c'est peut-être une réflexion plus globale que mériterait cette question très importante. Sachez en tout cas, Madame Merceron, qu'à la fois en ce qui concerne les aides de prévention que concernent les ABS, j'accorde à cette question une importance capitale, car on ne peut pas avoir de discours, l'aide aux personnes handicapées, aux élèves handicapés, et ne pas leur donner les moyens de pouvoir les encadrer correctement dans leurs études. Mais pour tout vous dire, cette question mérite réellement un débat, parce que certaines personnes pensent, par exemple, plutôt que de mettre des jeunes adolescents, des mères de famille pourraient être impliquées aussi. Donc voilà une ouverture possible, dans la mesure où les mères de famille ont peut-être davantage de la sensibilité qui leur permettrait de faire l'encadrement, encore que tout dépend de la nature même du handicap et de la gravité du handicap. Donc c'est un problème, je crois, qui mérite réflexion, et je vous invite à partager avec moi cette réflexion, car les choix n'ont pas encore été faits, bien que le sujet soit débattu à l'heure actuelle avec le ministre de la Fonction publique. Pour en revenir maintenant à la question de M. Raymond Van Bastolaire, effectivement,
un certain nombre de dissensions sont nées entre l'ADES et le service du vice-rectorat, à tel point que l'ADES a établi au moins à la rentrée scolaire des contrats de 12 mois à l'attention des contractuels qui sont des enseignants contractuels de l'État, et le vice-rectorat, par réaction, a bloqué les traitements, ce qui a soulevé le tollé général que vous connaissez. À l'heure actuelle, j'ai engagé mes collaborateurs à discuter avec le vice-rectorat et une première réunion de travail s'est tenue mardi dernier de 14h jusqu'à 19h le soir. C'est vous dire que le problème est complexe parce qu'il y a plusieurs catégories de personnel qui sont concernées. Disons que pour l'instant, l'amorce d'une solution a été établie dans la mesure où, sans revenir sur le principe des 10 mois que veut nous imposer l'État, puisque de telles situations sont également adoptées en métropole, il suffirait d'augmenter l'indice de manière que les personnes touchent le salaire équivalent à 12 mois tout en assurant 10 mois de salaire. Il semble qu'aux Marquises, en tout cas, cette solution ait été adoptée par pratiquement l'ensemble du personnel, et j'envisage très prochainement d'aller également à Hull pour régler également ce genre de problème dans les archipels éloignés. Mais la réflexion se poursuit puisque une prochaine réunion de travail est déjà planifiée avec le vice-rectorat. Je vous donne donc les pistes de réflexion vers lesquelles nous orientons. Mais le problème est loin d'être traité. Ce qui importe, c'est que nous avons ouvert à nouveau le chemin de la discussion et de la négociation dans un esprit le plus respectueux de part et d'autre que possible. Et c'est ce que nous essayons de prévaloir. Et les choses ne se déroulent pas si mal que ça. Quand on connaît le caractère particulier de M. le secrétaire général du vice-rectorat, je crois que je ne ferai pas d'autres commentaires. Mais c'est en bonne voie. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je vous fais voter sur l'article 5, l'exécution. Le même vote sur la délibération pour l'exercice 2004. Même vote, la délibération est adoptée. Je vous propose maintenant, comme il a été convenu tout à l'heure, d'examiner le dossier numéro 65-2007 relatif à trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2004 à 2006 de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française. Les rapporteurs en sont Mme Lucette Taero et M. Roberto Teritehao. Madame Taero, allez-y, vous avez la parole sur ce dossier. Donc, c'est le dossier 65-2007. D'accord. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, je voudrais avant tout vous saluer ce matin, chaleureusement. Donc, effectivement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 326 et 327 PR du 17 novembre 2006 et 173 PR du 1er août 2007, le Président de la Polynésie française a transmis, aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2004 à 2006 de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française. Pour la présentation générale de l'établissement, en introduction, donc cet établissement, qui a été créé en 1994, modifié le 1er février 2001, est un établissement public d'enseignement à caractère particulier. Son champ d'intervention s'étend au secteur d'activité agricole et agroalimentaire, de production, de transformation, de commercialisation de services, d'expérimentation et de recherche. Et il est situé à Okunho, dans la commune de Oriamayor. Les missions qui y sont assignées donc, sont d'assurer une formation initiale, technologique, scientifique, qui conduit à des qualifications ou des spécialisations reconnues au niveau national et une formation professionnelle continue. Les effectifs réels d'élèves de formation initiale appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les 7 derniers exercices. Dans le tableau qui est joint, vous voyez que depuis 2000 à 2006, pour les demi-pensionnaires garçons, vous avez pratiquement, vous n'avez pas de grands changements, je vais dire. Pour les filles, pareil, les garçons sont, pour les chiffres de 2006, 22, les filles, 17. Au niveau des internes,
pour les garçons, donc ils sont majoritaires, donc 142 garçons pour 2006 et 49 pour les filles. Donc en fait, à partir de 2003, vous voyez qu'il y a eu une augmentation assez soutenue du nombre d'élèves dans cet établissement. Et qui accuse donc un total pour 2006, nous sommes à 230 élèves dans cet établissement. S'agissant des stagiaires de formation continue, ils s'élèvent pour l'année 2004 à 239 pour un nombre d'un stagiaire de 39 765, donc 190 diplômes ont été délivrés. Pour l'année 2005, donc ils sont à 303 pour un nombre d'heures stagiaires dispensées, donc de l'ordre de 36 938 heures. 49 diplômes ont été délivrés. Et pour l'année 2006, 103 stagiaires pour un nombre d'heures de 46 966 et donc 431 diplômes et attestations ont été délivrés. Le lycée de Kunho scolarise les élèves en provenance de l'ensemble des archipels et accueille en bac professionnel quelques élèves du Pacifique et de Métropole. Concernant les résultats aux examens, les élèves obtiennent des résultats qui sont inférieurs à la moyenne nationale, même si on peut observer une amélioration à partir de 2005. À titre indicatif, en 2004, nous avons pu avoir 52 diplômés. En 2005, 68. Concernant le personnel entre 2002 et 2006, l'établissement a créé 20 emplois, principalement dans l'enseignement et l'administration. Vous avez le tableau qui est annexé et vous voyez qu'il n'y a pas de grande disparité dans les chiffres de 2000 à 2006. Pour les moyens financiers qui sont mis à disposition de l'établissement depuis 3 ans, ils ont évolué comme suit. Pour l'année 2004, les subventions territoriales, les autres ressources ou ressources propres, nous atteignons donc, je répète encore, en 2004, 286 164 701 francs. Pour 2005, nous avons 299 944 359 francs. Et pour l'année 2006, 266 337 954, donc inférieur à 2005. Maintenant, nous allons passer à l'examen des comptes financiers 2004 à 2006. À la clôture des exercices 2004 à 2006, les comptes financiers de l'établissement se présentent comme suit. En fonctionnement, en 2004, nous avons, donc je vais vous donner simplement le total, je n'irai pas sur la partie du lycée, le CFPPA et l'exploitation, puisque ces trois organismes au sein de cet établissement se regroupent en établissement public de formation professionnelle au Kunho. Donc je vais vous donner simplement les totaux. Pour 2004, donc, vous avez des charges qui s'élèvent à 185 346 769 francs. En recettes, 245 727 566 francs et en résultat total, donc ce qui reste, 60 340 380 799 francs. Voilà pour le fonctionnement. En investissement 2004, nous avons en charge 47 404 260 francs. En recettes, 40 437 133 francs. Ce qui donne un résultat négatif de 6 968 127 francs. Un total général 2004 en charge 232 752 029 francs, en recettes 286 164 701 francs et en résultat donc positif de 53 412 672 francs. Pour 2005, en fonctionnement, les charges se sont élevées à 256 60 312,50 francs, donc il y a des centimes, en recettes 244 087 174 francs et un résultat négatif en fonctionnement de 11 973 138,50 francs. En investissement, en charge, nous avons 52 836 272 francs, en recettes 55 857 185 francs et en résultat positif donc de 3 020 913 francs. Donc total
charges 308 896 584 francs 50 centimes et en recettes 299 944 359 francs. Et donc un résultat négatif pour 2005 de 8 952 225 francs 50 centimes. Pour l'exercice 2006, en charge pour le fonctionnement, 226 239 040 francs. En recette, 214 308 293 francs, ce qui donne un résultat négatif de 11 930 747 francs. En investissement, nous avons en charge 32 601 350 francs. Et on recette 52 029 661 francs, soit un résultat positif de 19 428 311 francs. Donc, le total des charges 2006 s'élève à 258 840 390 francs. En recette, 266 337 954 francs. Et un résultat positif, donc, de 7 497 564 francs. Alors, pour l'analyse des éléments déterminants du résultat pour l'exercice 2004, le bilan financier de l'établissement présente pour l'exercice 2004 un résultat positif de 60 380 799 francs en fonctionnement et négatif de 6 966 127 francs en investissement. Donc, l'excédent global que je vous ai donné tout à l'heure de 53 412 972 francs. Donc, on remarquera que pour le lycée agricole, l'excédent de la section de fonctionnement de 26 521 958 francs résulte du versement des frais de transport dus antérieurement en 2004 par le pays, soit 5 440 000 francs. Changement de logiciel également fin d'année 2003 qui n'a pas permis de porter en dépense une somme de 19 millions correspondant aux dépenses de bourse, alors que celle-ci figurait en recette. Pour le CFPPA, l'excédent de la section de fonctionnement de 35 533 430 francs est dû en totalité à une recette de 36 millions de francs portée par erreur deux fois. Si cette somme est ôtée des recettes, il en résulte un solde déficitaire de 2 441 000 francs. Et pour l'exploitation agricole, cette structure enregistre un excédent global de 2 349 383 francs, car certaines dépenses d'investissement n'ont pu être réalisées en 2004 et ont été reportées sur 2005. Pour l'exercice 2005, l'analyse donc des éléments déterminants. Nous avons donc, comme je l'avais lu, un résultat négatif de 11 973 135 francs et 50 centimes en fonctionnement et positif de 3 020 913 francs en investissement. Donc le déficit global de 8 952 225 francs et 50 centimes pris sur le fonds de roulement. Ce déficit résulte de la volonté de l'établissement de puiser dans ses réserves pour permettre des investissements nécessités par l'augmentation des effectifs au lycée et la mise en sécurité des installations au niveau des ateliers et de l'exploitation. Notamment, on remarquera que pour le lycée agricole, le déficit de la section de fonctionnement de 1 065 181 francs s'explique par le versement d'une subvention de l'État inférieure de 1 300 000 francs aux prévisions, pour la cause étant un gel budgétaire. Le déficit de la section d'investissement fait suite aux réalisations souhaitées par le conseil d'établissement, compte tenu des réserves suffisantes. Pour le CFPPA, le déficit en section de fonctionnement de 2 399 902 francs résulte d'un rectificatif rendu nécessaire suite à une facture comptabilisée deux fois en 2004. Le montant correspondant a donc été déduit sur l'exercice 2005. Le déficit en section d'investissement est, comme pour le lycée, voulu par le conseil d'établissement pour réaliser des travaux urgents. Excusez-moi, je tourne la page.
Pour l'exploitation agricole, le déficit des recettes d'exploitation est compensé par un excédent de recettes d'investissement. Cette situation se justifie par la rectification opérée au titre des amortissements 2004, amortissement qu'il était impossible d'enregistrer pour une raison informatique. Globalement, le bilan de cette structure est positif de 159 882 francs. Pour l'exercice 2006, chers collègues, nous avons donc un résultat négatif en fonctionnement de 11 936 747 francs et en positif pour l'investissement de 19 428 311 francs. Donc un excédent global, un résultat positif de 7 497 564 francs. On remarquera pour le détail que pour le lycée agricole, le déficit de fonctionnement s'élève à 12 351 964 francs et l'excédent en investissement s'élève à 13 044 203 francs. Donc le résultat financier se traduit par un résultat positif de 672 239 francs. Pour le CFPPA, le déficit de fonctionnement s'élève à 3 499 111 francs et l'excédent d'investissement s'élève à 3 659 171 francs. Le résultat financier 2006 du CFPPA se traduit par un excédent de 160 060 francs. Pour l'exploitation agricole, l'excédent de fonctionnement s'élève à 3 920 328 francs. L'excédent d'investissement s'élève à 2 724 937 francs. Le résultat financier 2006 se traduit par un résultat positif de 6 645 265 francs. L'évolution du fonds de roulement que vous voyez donc sous le tableau qui nous est présenté à la fin. Donc vous voyez que je prendrai que ceux de décembre 2004, décembre 2005 et décembre 2006. Le montant du fonds de roulement s'élève pour 2004 à 149 506 142,64 francs. Pour décembre 2005, 140 553 917,14 francs. Et en décembre 2006, 148 051 481,14 francs. L'écart entre le niveau de du fonds de roulement de 2003 et le niveau de fonds de roulement à la clôture de l'exercice 2004 correspond à une régularisation du fait d'une erreur constatée dans le calcul de ce fonds de roulement. En 2005, la diminution du fonds de roulement de 8 952 225 francs et 50 centimes est la conséquence logique des orientations budgétaires allant dans le sens d'une augmentation des investissements mobiliers et immobiliers permettant d'améliorer les conditions de fonctionnement de l'établissement. Donc après une diminution de 8 952 225 francs et 50 centimes en 2005, le fonds de roulement de l'établissement a connu au cours de l'exercice passé une augmentation de 7 497 564 francs, le portant à 148 051 481,14 francs, soit quasiment son niveau de 2004. Si les trois centres consécutifs de l'établissement contribuent à ce bon résultat, et mis en guillemets, il est à noter que la majeure partie de l'augmentation du fonds de roulement est apportée au crédit de l'exploitation agricole qui a dégagé en 2006 un excédent de 6 645 265 francs. Cette analyse mérite toutefois d'être nuancée au regard d'une approche croisée par section et par centre. On remarque ainsi que l'exploitation agricole dégage un excédent tant en fonctionnement qu'en investissement, tandis que l'activité du CFPPA est globalement équilibrée. Le déficit observé en section de fonctionnement résultant d'un report de subvention d'exploitation 2006 sur l'exercice 2007. Si le lycée agricole dégage un excédent de 682 239 francs sur l'exercice 2006, il convient de noter le déficit important enregistré en section de fonctionnement, moins 12 341 964 francs, responsable à lui seul du déficit observé sur cette même section à l'échelle de l'établissement. Donc le lycée agricole représente près de 50% du fonctionnement, du budget de fonctionnement de l'établissement tout entier. La détérioration du résultat de fonctionnement qui résulte à la fois d'un accroissement des charges et d'une diminution de produits doit appeler une vigilance particulière. Alors vous avez des perspectives qui nous ont été donc communiquées par le conseil d'établissement
qui dit ceci, les bons résultats enregistrés au cours des derniers exercices, excédents depuis 2002 hormis en 2005, ont conforté l'assise financière de l'établissement. L'exploitation agricole enregistre des excédents depuis plusieurs exercices, mais le fait marquant de l'année 2006 est constitué par le bon résultat observé en section de fonctionnement, même si cette donnée doit se relativiser au regard de certains réajustements qui ont exceptionnellement conduit à comptabiliser des produits sur 13 mois. Le projet d'aménagement et d'extension de l'atelier Porcin, qui connaît de bons résultats technico-économiques en même temps, qui pèse de manière significative sur le budget du centre, devrait contribuer à court terme à conforter la tendance observée. Le CFPPA poursuit sa stratégie de formation délocalisée en phase avec les attentes du public adulte. Son activité est financée par les deux tiers par le pays et cette part est en augmentation sensible en 2007. Le fait marquant de l'année en cours est incontestablement le désengagement du CEFI du financement et du paiement des indemnités des stagiaires. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche prend le relais par le versement d'une subvention spécifique au CFPPA. L'excédent enregistré en 2006 sur le lycée agricole ne doit pas occulter la réalité d'une section de fonctionnement largement déficitaire. L'accroissement des effectifs, l'ouverture des nouvelles classes, la livraison de nouveaux locaux, l'aménagement de ces derniers fait peser un poids croissant sur les finances de l'établissement qui n'est pas aujourd'hui compensé par une augmentation des moyens, à la fois financiers et humains. Le pays apporte un soutien important au projet d'investissement élaboré sur le centre, mais il est vrai que les besoins sont conséquents. C'est pourquoi il a été décidé pour 2007, en complément des projets subventionnés par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, de financer sur fonds propres un certain nombre d'opérations d'aménagement et d'équipement de locaux. Cette orientation est importante, tant les attentes sont grandes de la part des élèves et évidemment du personnel. Compte tenu des grandes orientations définies en conseil d'établissement, elles sont certes généreuses, mais elles ont également un coût qui se traduit par les prévisions budgétaires des années 2006 et 2007. L'établissement dispose des capacités budgétaires pour investir afin de satisfaire des politiques éducatives et de développement préparatoire de l'avenir. Pour l'affectation des résultats, à l'issue des exercices 2004 à 2006, les comptes financiers de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française présentent les résultats suivants. En 2004, le résultat global est excédentaire de 53 412 672 francs, sachant toutefois que cet excédent n'est réellement que de 12 430 260 francs. Il y a eu des explications qui nous ont été données avant. Le résultat d'exploitation est excédentaire de 60 380 799 francs, montant qui est affecté au compte 110, report à nouveau, solde créditeur. En 2005, le résultat global est déficitaire de 8 952 225 francs et 50 centimes. Le résultat d'exploitation est déficitaire de 11 973 138 francs et 50 centimes, montant qui est affecté au compte 110, report à nouveau, solde créditeur. Et en 2006, le résultat global de l'excédent est excédentaire de 7 497 564 francs. Et le résultat d'exploitation est déficitaire de 11 930 747 francs, montant qui est affecté au compte 110 report à nouveau, solde créditeur. Donc le fonds de roulement de l'établissement s'établit à la fin de l'année 2006 à 148 051 481 francs 14 centimes. Il permet d'avoir une trésorerie suffisante pour un fonctionnement sain de l'établissement. Au-delà de 110 jours de fonctionnement, il existe encore une possibilité d'investir sur fonds propres. Donc voici, donc, mes chers collègues, ayant pris acte des résultats de ces comptes financiers, nous vous proposons avec M. Territiao d'adopter ces trois projets de délibération 6 juin. Merci. Merci Madame le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale. Le premier intervenant est celui du groupe Tahwera Huira Tira. Madame, c'est René Kohumuiteni qui intervient pour le groupe Tahwera Huira Tira. Vous avez la parole, Monsieur Kohumuiteni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, si vous en êtes... Non, il n'y a pas de ministre.
Mesdames, Messieurs les représentants, mais je vous adresse mes sincères salutations. Le secteur agricole a bien du mal à relever la tête. Faute de surfaces foncières disponibles, faute de ressources humaines motivées et formées, il faut en effet craindre le pire, que ce secteur économique que tout le monde s'accorde à dire que c'est un secteur important. Je ne m'attarderai pas sur la question foncière car ce n'est pas le sujet qui nous concerne directement en cet instant, mais si j'aurais beaucoup à dire sur ce sujet. Je voudrais donc juste faire quelques remarques sur le fonctionnement de cet établissement. Tout d'abord, je reste sur ma faim lorsque le rapport dit concernant les résultats aux examens, les élèves obtiennent des résultats qui sont inférieurs à la moyenne nationale sans qu'aucune explication ou analyse ne soit donnée sur les raisons de cette situation. Or, s'il y a un aspect d'ordre qualitatif qui nous intéresse, c'est bien celui-là. Nous sommes en droit de nous demander quels résultats bénéfiques produisent les systèmes et les structures publiques pour lesquels nous accordons des crédits. Les rapports financiers qui nous sont présentés détaillent bien les aspects quantitatifs et financiers, mais trop peu sur les aspects qualitatifs, si bien que les élus que nous sommes sont mal informés de la réalité de nos structures. Nous n'avons pas grand-chose à dire sur les aspects financiers, puisque ces comptes ont déjà été décortiqués en long et en large par tous les maillons de contrôle que sont le commissaire du gouvernement de l'établissement, le contrôle des dépenses engagées, l'inspection générale de l'administration et le payeur des établissements publics. En revanche, il n'y a pas suffisamment de débat sur les résultats produits par ces structures. Puissions-nous, nous aussi, nous orienter de plus en plus vers une culture des résultats, comme cela se pratique dans les pays anglo-saxons et est maintenant réclamé à juste titre par Sarkozy. Pour revenir au fonctionnement de l'établissement, il aurait été intéressant que nous sachions pourquoi nos jeunes obtiennent des résultats inférieurs à ceux de métropole. Est-ce un problème d'encadrement et d'animation pédagogique, un problème de motivation des élèves et donc de sélection à l'entrée de la formation, un problème dans les contenus de formation, etc. Voilà des sujets que nous aurions eu plaisir à discuter au sein de notre Assemblée, car ils parlent de la vie concrète et directe de nos jeunes. Aussi, mes chers collègues, nous ne remettrons pas en cause la gestion financière de cet établissement, car, conformément à mes propos précédents concernant les organes de contrôle, je ne pense pas qu'il y ait des malversations dans la gestion. Nous approuverons donc les comptes financiers 2004 et 2006 de l'établissement d'Opuno, de l'EPA. Pour terminer, je voudrais formuler le vœu, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, que le Président du gouvernement demande à son service, qu'est l'Inspection générale de l'administration, de bien vouloir revoir la présentation et le contenu des rapports financiers qui seront présentés aux représentants de manière à nous fournir des éléments plus qualitatifs. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Kouhoumouitini. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD. Monsieur Raymond Bastollet. Monsieur Bastollet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'examen du compte financier cumulé des exercices 2004 à 2006 de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole n'appelle pas de ma part d'observation particulière. En effet, même si le résultat des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour 2006
est déficitaire à hauteur de 11 930 747 francs et que ce déficit résulte essentiellement d'un accroissement significatif des charges sur le lycée professionnel agricole, il est cependant à noter que dans le même temps, l'exploitation agricole parvient à dégager un résultat excédentaire en fonctionnement. En effet, cet établissement public regroupe trois entités bien distinctes. Et si certains ajustements d'écriture comptable contribueront sensiblement à améliorer pour les exercices à venir, il convient toutefois de s'interroger sur les coûts croissants de fonctionnement du lycée agricole. Et que, comme dit mon collègue Como Etini, un examen plus approfondi peut-être en matière de qualité de l'enseignement, des résultats, mais également de la prise en charge des dépenses. Pour ce qui concerne la section des opérations en capital, c'est-à-dire les dépenses en investissement, cette section enregistre pour l'exercice 2006 un résultat excédentaire de 19 428 311 francs, ce qui est encourageant, mais en même temps, il vaut mieux que ces montants-là soient utilisés. Enfin, il est à noter que le fonds de roulement de 2006 également voit ce solde par une augmentation de 7 497 564 francs. Donc, en termes financiers, nous voterons pour ce rapport, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur Mastolet. Mon groupe Polynésie Ensemble, Monsieur Bussou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes d'accord sur les conclusions du rapporteur. Donc, plutôt que de paraphraser dans une longue litanie, voilà, nous allons voter pour. Merci. Bien, je n'interroge pas le gouvernement, il n'est pas là. Je vais passer à, si vous en êtes d'accord, à la délibération pour la première année, monsieur. Madame Lucette Taïro, pour l'exercice 2004, c'est ça? Oui, oui. C'est Madame Taïro, merci. Concernant donc l'article 1er pour le compte financier de l'exercice 2004 et affectation de résultats. Article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 286 164 701 francs, ce figure posant comme suit. Section de fonctionnement, 245 727 568 francs et en section d'investissement, 40 437 133 francs, ce qui donne un total de 286 164 701 francs. Sur l'article 1, j'ouvre les discussions s'il y a des intervenants. Pas d'intervenants, je mets au vote l'article 1. Qui est pour? À l'unanimité, article 2. Pour l'article 2, le montant définitif des dépenses du compte financier de l'EPEFPAPF pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 232 752 029 francs. Ce décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 185 346 764 69 francs. Section d'investissement, 47 405 260 francs, soit un total de 232 752 029 francs. Sur l'article 2, même vote, il est adopté. Article 3. Pour l'article 3, le compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section de fonctionnement, section 1, recettes, 245 727 568 francs, en dépenses, 185 346 769 francs, ce qui dégage un résultat positif de 60 380 799 francs. Section 2, investissement en recettes. 40 437 133 francs, en dépenses 47 405 260 francs, soit un résultat négatif de 6 968 127 francs. Un total en recettes de 286 164 701 francs, en dépenses
232 752 029 francs, et cela nous dégage un résultat positif pour l'année 2004 de 53 412 672 francs. Sur l'article 3, même vote, il est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2004, soit un excédent de 60 380 799 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur de 60 380 799 francs. Article 4, il est adopté à l'unanimité. Article 5, l'exécution, même vote, la délibération, même vote, et la délibération est adoptée. Exercice 2005. Monsieur le Président, pour l'exercice 2005, article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 299 944 359 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 244 087 174 francs. En section 2 d'investissement, 55 857 185 francs. Un résultat positif donc en recette de 299 944 359 francs. Total. En total, oui. Sur l'article 1, j'ouvre la discussion. Pas d'intervenant. Je soumets au vote. Qui est pour ? À l'unanimité, l'article 1 est adopté. Article 2. L'article 2, le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement d'enseignement public, d'enseignement et formation professionnelle agricole de Polynésie française est arrêté à la somme de 308 896 584 francs 50 centimes, qui se décompose comme suit. En fonctionnement, 256 060 312 francs 50 centimes. En section d'investissement, 52 836 272 francs, ce qui donne un total positif de 308 896 454 francs. Sur l'article 2, la discussion est ouverte. Monsieur Bouissou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois que je vois dans une délibération d'un établissement public des centimes. Alors, j'ai une question à poser à notre rapporteur. C'est un établissement public qui fonctionne en euros, qui est peut-être posté en Europe. Comment se fait-il que nous ayons des centimes en Polynésie et depuis quand? Merci. Madame Taïro. Oui. Je suis membre du conseil d'administration, enfin membre du conseil d'établissement, et vous avez raison de poser cette question parce que lors du dernier conseil, nous avons posé la question, comment se fait-il que nous nous retrouvons avec des centimes, compte tenu qu'il fallait peut-être mettre l'unité au-dessus, arrondi. Et donc, le comptable, ainsi que vous avez l'habitude de faire comme ça, effectivement, c'est un établissement d'État. Et ils fonctionnent tous en euros et ils ont pris, en fait, jusqu'au décimal, quoi, les deux chiffres après la virgule. Ils ont dit que ça allait nous donner une meilleure lecture. Je ne vois pas en quoi, mais comme il y a eu un vote, ils ont décidé que c'était comme ça. Donc, je vous présente en l'état. Mais vous avez raison, M. Bouissou. J'aurais préféré qu'on mette 585 francs à la limite. Hein. Il vaut mieux et ça nous aurait dispensé d'aller chercher les 14 centimes et ainsi de suite, puisque nous ne l'avons pas. Merci, Madame Taïro. Sur la localisation de l'établissement, c'est bien à Montréal ou en Europe? C'est bien à Montréal, oui. Mais cet établissement... Je soumets l'article 2. Vote qui est pour? Voilà. Même vote, même vote. Article 3, Madame Taïro. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, il y a des touristes, c'est vrai. L'article 3, le compte financier de l'établissement public d'enseignement de formation professionnelle agricole de Polynésie française pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En fonctionnement, en recettes, 244 087 174 francs. En dépenses, et nous y voilà, 256 060 312 francs 50 centimes. J'y peux rien, mais c'est comme ça. Et donc un résultat négatif de 11 973 138,50 francs. En investissement, en recettes, 55 857 185 francs. Les dépenses donc sont à hauteur de 52 836 272 francs, soit un résultat positif de 3 020 913 francs. Les totaux, donc en recettes, nous avons
299 944 359 francs, en dépenses 308 896 584,50 francs, et donc un résultat négatif de 8 952 225,50 francs. Bien, la discussion est ouverte. Monsieur Bombastolet, puis Monsieur Bussot. Monsieur Bombastolet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, juste pour nous rappeler que le domaine de Ho'oponohou se trouve à Montréal d'abord et que c'est un domaine territorial. Deuxièmement, sur les trois entités, il y a effectivement le lycée agricole de Ho'oponohou, mais il me semble, ma chère collègue, que le lycée agricole est devenu de compétence territoriale depuis quelques années. C'était de compétence État, et depuis quelques années, c'est la compétence du territoire. Au même titre que les lycées et les collèges. Merci. Merci, M. Massola. M. Bussot, vous répondrez après. Merci, M. le Président. Je réfute ce qui a été dit tout à l'heure par Madame le rapporteur. Il ne peut pas y avoir de 50 centimes. Il ne peut pas y avoir... Est-ce que nous lisons des francs CFP ou nous lisons des euros? Si ce sont des francs CFP, il n'y a pas de 50 centimes en Polynésie. Quand vous changez des euros à la banque, c'est au franc près. C'est quoi cette histoire qu'on nous raconte? On nous dit que maintenant il y a des centimes. Non, il n'y a pas de centimes. Ces comptes sont faux. Alors, d'abord, ça n'est pas le gouvernement actuel. Je dédouane le gouvernement actuel, puisque ça a été transmis par l'ancien gouvernement, je présume. Mais enfin, lorsqu'on tombe sur un chiffre comme ça, on ne peut pas, nous, représentants l'Assemblée, simplement se dire que les éléments d'information qui ont été donnés tout à l'heure sont suffisants. C'est insuffisant, c'est faux. Ces comptes sont faux. Moi, je vous propose de réfuter la délibération ici et de voter contre, parce que c'est faux. Bien, merci, Monsieur Bussot. Vous auriez pu intervenir au niveau du rapport. Je vous aurais proposé de renvoyer ce rapport en commission ad hoc. Vous attendez qu'on arrive au niveau de la délibération. Nous avons déjà voté les articles 1 et 2. Je suis désolé, mais pour l'heure, je vous propose de continuer l'examen. Et en effet, nous ferons une intervention auprès du comptable des établissements pour que les centimes soient évacués. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de 50 centimes polynésiens. Madame Tahereau, vous avez la parole. Oui, étant simplement rapporteur de ce dossier, Monsieur le Président, en disant quand même que dans un... par rapport à ce qu'a dit M. Bussot, non, les comptes ne sont pas faux. Je suis de son avis, nous n'avions pas à écrire, en tout cas à accepter, peut-être à accepter, peut-être pas à écrire, mais à accepter ces centimes, parce que ça n'existe pas en franc pacifique. Ceci dit, l'argument que nous avait donné l'agent comptable et le directeur, c'est que, par contre, ils avaient un souci d'être très pointilleux quant à la conversion. Donc, ils sont allés jusqu'au dixième prix. Ce que je ferai, parce qu'effectivement, on aurait dû le dire en commission législative, à ce moment-là, je ferai part au prochain conseil d'établissement, mais même entre-temps, puisque là, je peux le faire, étant membre de ce conseil d'établissement, des remarques qui ont été faites aujourd'hui. Je ne suis pas le ministre de l'Agriculture, mais ceci dit, cher collègue M. Raymond Van Bastelaire, l'établissement n'est pas de compétence territoriale. Je vous donnerai donc les textes, je vous ferai parvenir les textes, et ils étaient très, très, très à cheval sur cette partie-là. Ils étaient assez pointilleux, même un peu, comment dirais-je, soucieux, on va dire ça comme ça. Et cet établissement est encore sous l'égide, donc qui a une compétence d'État. Je vous ferai parvenir les textes, je me ferai un plaisir de vous transmettre la lettre du directeur. Mais c'est le seul, vous avez raison, mais il est toujours de compétence d'État. Bien. Merci. Bien. Je soumets l'article 3 au vote. Vous êtes pour? Même vote sur l'article 3. Article 4, Madame le rapporteur.
Pour l'article 4, le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un déficit de 11 973 138,50 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau sur le créditeur de 11 973 138,50 francs. L'article 4, même vote. Article 5, c'est l'exécution, même vote. La délibération, même vote, elle est adoptée. Exercice 2006, Madame le rapporteur. Pour l'exercice 2006, donc l'article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 266 337 954 francs se décomposant comme suite. Pour la section de fonctionnement, 214 308 293 francs. Pour la section d'investissement, 52 926 661 francs, soit un total de 266 337 954 francs. Sur l'article 1, la discussion est ouverte. Pas d'intervenant, je soumets au vote l'article 1 pour. À l'unanimité, l'article 1 est adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 258 840 290, 390 francs, se décomposant comme suit. Pour la section de fonctionnement, 226 239 040 francs. Pour la section d'investissement, 32 601 350 francs, ce qui donne donc un total de 258 840 390 francs. Cet article, pas d'intervenant, je soumets au vote, il est adopté. Pour l'article 3, oui. Le résultat du compte financier de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Pour la section de fonctionnement aux recettes, 214 308 293 francs. En dépenses, 226 239 040 francs, soit un résultat négatif de 11 930 747 francs. Pour l'investissement, en recettes, 52 029 661 francs. Des dépenses donc de 32 601 350 francs. Ce qui donne un résultat positif de 19 428 311 francs. Pour les totaux en recettes, nous avons 266 337 954 francs. En dépenses, 258 840 390 francs. Et donc un résultat positif de 7 497 564 francs. Sur l'article 3, pas de discussion. Même vote, il est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006, soit un déficit de 11 930 747 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau sur le créditeur, donc 11 930 747 francs. Article 4, pas d'intervention. Je le soumets au vote. Il est adopté. Article 5, l'exécution, pas d'objection. Il est adopté. La délibération du compte financier pour l'exercice 2006, il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie, Madame le rapporteur. Je vous propose d'examiner le dossier numéro 59-2007, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat au report à nouveau de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, dont les rapporteurs sont Madame Maraya Emma et M. René Kohumwetini. Madame Maraya, vous avez la parole. Maruru Preditini Oranatato Poro. Par lettre numéro 167 PR du 13 juillet 2007, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française.
Mission. L'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, créé par la délibération numéro 2243 APF du 14 mars 2002, est l'émanation de l'Office territorial d'équipement sportif et socio-éducatif, créé par délibération numéro 80-106 AT du 22 août 1980 modifié. L'IJSPF est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La délibération du 14 mars 2002 a défini et élargi les domaines d'intervention de l'établissement en fixant comme principal objectif un rapprochement et un soutien intensifié des moyens publics avec les actions des partenaires institutionnels des secteurs de la jeunesse et des sports, ainsi qu'un accroissement des interventions en faveur des secteurs défavorisés. Le personnel, pour la mise en œuvre de ses missions, l'IJSPF dispose de 100 agents dont le statut est le suivant. 72 agents à contrat durée indéterminée, 16 agents non titulaires, dont 14 inscrits sur la liste d'aptitude et 2 CDD, 12 agents mis à la disposition par le service de la jeunesse et des sports. Le niveau de qualification, 4% en catégorie A et 13% en catégorie B, 20% en catégorie C et 63% en catégorie D, démontre la faiblesse de l'encadrement de l'IJSPF et mérite pour l'amélioration des compétences. Pour assurer le fonctionnement et l'entretien quotidien des diverses installations répandues sur l'ensemble de la Polynésie française, il s'est avéré nécessaire de créer des postes administratifs et d'agents d'entretien dans les secteurs et îles concernées. Le patrimoine de l'IJSPF est estimé à 5 616 248 176 francs. Compte tenu de la dispersion géographique et de la taille des installations à entretenir quotidiennement, une insuffisance notoire de personnel a été constatée et cette situation conduit l'établissement à rechercher de nouvelles sources de financement afin de permettre des recrutements à la fois en nombre et en qualité. Les moyens financiers mis à la disposition de l'IJSPF ont évolué comme suit. En subvention territoriale en année 2004, 5 661 780. Année 2005, zéro. Et on a l'année 2006, 51 016 854 francs. En ressources propres, en 2004, 25 871 511. En 2005, 23 119 410. Et en 2006, 27 320 212. En taxes parafiscales, année 2004, 396 736 934. En 2005, 482 168 041 francs. Et en 2006, 537 422 364 francs. Autres ressources en 2004, 48 014 883 francs. En 2005, 276 millions. 293 884 francs et en 2006, 166 269 656. Total en 2004, 476 285 108. En 2005, 781 581 335. Et en 2006, 782 029 086. L'exécution du budget. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit. En recettes de fonctionnement, 731 012 232. En section d'investissement, 276 935 345, ce qui fait un total de 1 7 947 577. En dépenses, en section de fonctionnement, 739 287. En section d'investissement, 241 218 720, ce qui fait un total de 962 158 007 francs. Résultat de l'exercice en section de fonctionnement, 10 072 945. En section d'investissement, 35 716 625, ce qui fait un total de 45 789 570. En recettes,
Les dépenses des deux sections confondues s'élèvent à 1 747 577. Les recettes de fonctionnement se chiffrent à 731 012 232 francs et se décomposent comme suit. Les recettes propres pour un montant de 24 457 012 francs proviennent des locations des piscines territoriales, des locations de la cantine, des salles et de l'amphithéâtre de l'UJSPF, des ressources provenant de la formation, des produits de l'hébergement à l'UJSPF. Les recettes affectées pour un montant de 537 422 364 francs correspondent à la TDS et au DSSCB répartis comme suit. 438 485 164 francs au titre de la TDS et 98 937 200 au titre de la DSSCB, taxe supplémentaire perçue depuis mai 2006. Les autres recettes d'un montant de 169 132 856 francs correspondent à des écritures comptables de régularisation permettant l'amortissement des biens affectés et la réintégration des biens acquis par subvention d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèvent à 276 935 345 francs et proviennent pour 51 016 854 francs, soit 18,42% de subventions d'investissement, et pour 225 918 491 francs, soit 81,58% de la comptabilisation de l'amortissement des immobilisations. En dépenses, les dépenses des deux sections confondues s'élèvent à 962 158 007 francs. Les dépenses de fonctionnement enregistrées au 31 décembre 2006 à hauteur de 120 939 287 francs se décomposent comme suit. Je vais vous en détail des dépenses en fonctionnement. Je vais seulement vous donner le total. 720 939 287 francs. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 241 218 720 francs. Dont 15 300 229 francs de dépenses d'immobilisation corporelle et incorporelle, 225 918 491 francs correspondant à la contrepartie des écritures comptables de régularisation enregistrées en recettes et en fonctionnement. Les éléments déterminants du résultat, compte de résultat, en charge. En 2006, je vous donne le total, 731 012 232 en produits. En 2006, en total, 731 012 232 résultats intermédiaires. En total, 10 072 945 francs. Pour l'année 2006, le résultat est excédentaire de 10 072 945 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement est la suivante. En actifs total, en 2004, 5 846 614 204. En 2005, 5 806 909 051 francs. En 2006, 5 694 087 433. Au passif total en 2004, 5 846 614 204. En 2005, 5 806 909 051. Et en 2006, 5 694 087 433. Affectation des résultats. À l'issue de l'exercice 2006, le compte financier de l'UJSPF présente donc un résultat global positif de 45 789 570 francs, soit plus 35 716 625 pour la section d'investissement et plus 10 072 945 francs pour la section de fonctionnement. Compte tenu de ces résultats, le fonds de roulement de l'établissement évolue comme suit. En 2004, 99 055 911. En 2005, 146 883 768. Et en 2006, 192 673 338 francs. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2006
est excédentaire de 10 072 945 francs et est affecté au compte 119, report à nouveau solde débiteur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir l'adopter. Bien. Merci, Madame le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale. Sur ce rapport, je vais demander donc au groupe UPLD qui intervient. Monsieur Ruben Térémenté. Monsieur Térémenté, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Yorana Taofarvira. Chers collègues, Yorana, l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française, plus communément appelé IJSPF, est un établissement public administratif créé le 14 mars 2002, qui a repris la succession de l'OTES, Office territorial d'équipement sportif et socio-éducatif, créé le 22 août 1980, avec des domaines d'intervention redéfinis et plus élargis. En effet, sa mission principale est des plus respectables au vu de ses actions dans le secteur de la jeunesse et du sport, ainsi que dans le social, notamment pour des secteurs défavorisés. Le compte financier de l'exercice 2006 que nous avons étudié aujourd'hui présente un résultat global positif de 45 789 570 francs CFP, correspondant à la section de fonctionnement et à la section d'investissement. Le résultat d'exploitation de la section fonctionnement présente un excédent de 10 072 945 francs CFP et est affecté au compte 119, report à nouveau débiteur, qui le porte à moins 164 892 136 francs en fin d'exercice. Ce report à nouveau cumulé débiteur ne pourrait s'expliquer que par une récente politique d'amortissement adoptée par l'Institut afin de combler les oublis des années précédentes. Aussi, des écritures comptables de régularisation ont été réalisées. À défaut d'autres éléments indiqués, nous nous trouvons devant un compte financier chargé, pour ne pas dire plombé par des amortissements. Cependant, mes chers collègues, avec un fonds de roulement de plus de 192 millions, l'Institut a une bonne santé financière, indépendamment des résultats financiers et au vu des éléments de ce dossier. Il me paraît nécessaire de recruter pour l'Institut du personnel en nombre et en qualité. En effet, comme le souligne l'exposé des motifs, il s'avère nécessaire et je dirais même urgent de créer des postes pour en assurer le bon fonctionnement ainsi que l'entretien au quotidien des diverses installations disséminées sur l'ensemble de la Polynésie française. Pour ma part, ce compte financier ne présentant aucune incohérence, je propose à tous tous mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter ce projet de délibération. Maru. Merci, M. Térémenté. Pour le groupe polynésien Ensemble, Mme Térémenté, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour. Bien évidemment, nous ne saurions aborder ces comptes sans rendre un hommage à nos sportifs arrivés deuxième aux Jeux de Samoa qui se sont déroulés au début de ce mois de septembre. La sélection tahitienne a contribué avec brio au rayonnement sportif du pays dans le Grand Pacifique. Nous nous devons par ailleurs, au travers de cet événement, de saluer le travail d'organisation et de coordination du Comité olympique de la Polynésie française et de son président, M. Louis Provost. Rendez-vous est donné en 2011 à Nouméa pour les prochains Jeux du Pacifique. Et nous adressons d'ores et déjà nos vifs encouragements à nos jeunes qui y participeront. L'établissement sur lequel nous nous penchons aujourd'hui a été créé à l'origine pour assurer la gestion, l'entretien et le fonctionnement des équipements sportifs et de la jeunesse installés sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Il s'agit ici, comme le mentionnait Madame le rapporteur, d'un très large patrimoine estimé en 2006 à 5 616 248 176. Depuis 2002, son champ d'intervention s'est considérablement élargi. À ce titre, l'IJSPF a notamment pour mission de co-organiser avec tout groupement reconnu
par la Polynésie française les grandes manifestations sportives et de jeunesse, de mettre en place les formations conduisant à la délivrance de diplômes professionnels dans le domaine de la jeunesse et des sports, de mettre en œuvre la politique de développement sportif et d'exercer une surveillance médicale des sportifs de haut niveau. L'examen du projet de délibération portant adoption de ce compte 2006 nous conduit aujourd'hui à émettre quelques remarques relatives aux ressources et aux missions premières de l'IJSPF. Force est d'abord de constater qu'au niveau des moyens financiers mis à sa disposition, les recettes des taxes parafiscales n'ont fait qu'augmenter, passant de 396 736 934 en 2004 à 537 422 364 en 2006, bien qu'en termes de proportion par rapport aux autres ressources, elle a fait l'objet d'une baisse relative. 83% en 2004, 62% en 2005 et 69% en 2006. Si la TDS et la DSSCB constituent la première ressource de l'établissement, on peut se réjouir de cette rentrée d'argent pour l'IJSPF, notamment lorsque l'on sait que ses besoins sont importants, notamment pour ce qui concerne l'entretien des infrastructures sportives. En effet, en séance de commission législative, il a été unanimement déploré le manque notoire de personnel d'entretien des plateaux sportifs, stadiums et installations diverses. Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, étant entendu que si vous venez tout juste d'hériter de cette charge, nous avons appris par la presse que vous avez effectué une visite de courtoisie à l'IJSPF. Deux questions mériteraient alors une réponse de votre part. Tout d'abord, l'augmentation des recettes des taxes parafiscales telles que décrites par Monsieur le rapporteur doit-il être statistiquement traduite par une augmentation de la consommation de boissons sucrées et alcoolisées? Par ailleurs, si cette augmentation est tout à fait bénéfique pour l'Institut, les recettes restent néanmoins insuffisantes pour l'entretien des infrastructures sportives. Aussi, Monsieur le ministre, quelles seront les mesures que vous comptez prendre pour améliorer la qualité du service d'entretien? Comptez-vous, par exemple, procéder à de nouvelles embauches à cet effet? Nous vous remercions d'avance pour ces quelques éclaircissements et nous voterons favorablement pour ce projet de délibération. Merci. Merci, Madame Teruatea. Pour le groupe Tahoeira Huiratira, Madame Iriti, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tatopa Atoyoran. Durant plus de 25 ans, le gouvernement polynésien a montré son intérêt grandissant en faveur de sa jeunesse et par là même le développement des différentes activités sportives, d'où la mise en place de cet organisme, alors dénommé OTES, en 1980. Pour ce faire, il était indispensable de donner la chance à tous nos jeunes, tous sans exception, et ainsi les occuper et répondre au mieux à leurs besoins. En premier lieu, un travail de proximité était incontournable, surtout dans la mise en place d'équipements sportifs dans tous les archipels, toutes les îles et atolls, toutes les communes et voire même les grands quartiers. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de schéma territorial des équipements sportifs. Est-il réellement en cours d'élaboration? À mon sens, le recensement des infrastructures et des équipements sportifs constitue un document de travail de première nécessité, dans la mesure où il permettra de devancer les besoins en matière de nouvelles constructions, de prévoir les programmes de rénovation et d'identifier le coût des structures. Le compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française fait apparaître un fonds de roulement croissant, atteignant aujourd'hui près de 20% des recettes annuelles de l'établissement. Est-ce en prévision d'une construction particulière, ou en prévision de lourdes rénovations des infrastructures existantes, ou encore par anticipation quant à un événement sportif programmé? De plus, le rapport présenté souligne l'insuffisance de personnel, sachant que l'IJSPF gère plus de 5,5 milliards de francs.
On observe aussi que seuls 4% du personnel de l'établissement représentent les agents de catégorie A. Y a-t-il des embauches prévues pour cette catégorie de personnel? Enfin, le rapport indique l'obligation de recherche de nouvelles sources de financement afin de permettre des recrutements. Avez-vous des pistes définies pour de nouvelles recettes? Je vous remercie de votre attention. Bien. Pour la discussion générale, plus d'intervention. Monsieur le ministre, vous voulez intervenir maintenant ou plus tard, répondre aux questions? Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Donc, en ce qui concerne la première question sur l'explication sur l'augmentation de la taxe parafiscale, en fait, il faut savoir que l'augmentation de la taxe est due essentiellement à l'augmentation de la fourchette destinée au sport, qui est de 35 francs par litre de bière depuis l'année 2006. En ce qui concerne cette taxe parafiscale, elle était à 20 francs de 1998 à 1999, à 25 francs de 2000 à 2005, et depuis 2006-2007, donc nous sommes passés à 35 francs. Donc ce n'est pas une surconsommation, ce n'est pas dû à une surconsommation en fait, c'est juste dû au fait qu'il y a eu donc une augmentation de la taxe de 10 francs. En ce qui concerne le nombre de postes en CDD, ce qu'il faut savoir, c'est que l'établissement doit ou a dû recruter du fait de l'annulation du dispositif d'aide du CFI au travers des CIG et des DIG, car l'IGSPF disposait avant cela de 45 agents supplémentaires qui étaient répartis sur l'ensemble des complexes à gérer. Et aujourd'hui, donc, l'IGSPF doit compenser cela par des embauches qui élèvent ainsi considérablement son budget. C'est ce qui a fait que nous avons embauché, c'est ce qui a fait que l'établissement a embauché pas mal d'employés en catégorie 5. En ce qui concerne les cadres, il est vrai qu'on manque énormément de cadres, que ce soit au niveau du service de la jeunesse et des sports et de l'IGSPF. Donc j'ai eu l'occasion de visiter le service et l'IGSPF en début de semaine et rapidement je devrais rencontrer les agents du service et d'ici 2-3 semaines qu'on puisse faire des propositions également au gouvernement pour qu'on rapidement puisse ouvrir des postes de cadre. C'est le gros manque, que ce soit au niveau de l'établissement, que ce soit au niveau du service, même au niveau des fédérations sportives également. Il faut savoir que depuis 84-88, quand il y a eu le statut d'autonomie, donc toutes nos ligues sportives sont passées en fédération. Et depuis, donc, nous avons perdu tous les cadres techniques qui étaient mis à disposition par les fédérations françaises et par l'État. Et ce qui a fait que ça n'a pas été évident au niveau du sport pendant pratiquement une dizaine d'années. Donc il y a eu une période d'adaptation, je dirais. Aujourd'hui, dans certaines fédérations, nous avons pas mal de cadres. Et je crois que dans les 4-5 années à venir, on devrait avoir suffisamment de cadres, car nous avons beaucoup d'étudiants qui sont en France, qui font des études au sport à l'université de formation de recherche des activités physiques ou sportives, ou qui sont également en stage à l'INSEP. Donc je pense que dans les 3-4 ans à venir, on devrait avoir suffisamment de cadres. Encore faut-il créer des postes, que ce soit à l'IGSPF, au service, et dans les fédérations, que les fédérations puissent retrouver les postes de cadre technique qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire il y a pratiquement une quinzaine, voire une vingtaine d'années. En ce qui concerne les équipements sportifs, je pense qu'il est urgent que le pays doit penser en effet à investir dans de gros équipements en vue des prochains Jeux du Pacifique Sud. Comme vous le savez, les Jeux du Pacifique Sud, le pays a organisé les Jeux du Pacifique Sud en 1995. Et dans la logique, la Polynésie donc devrait organiser également les Jeux du Pacifique Sud en 2019. Et donc pour ne pas se laisser surprendre, nous sommes actuellement en retard sur des pays comme Fidji, comme Samoa, car nous ne disposons pas de salles adéquates
pour répondre aux exigences attendues. Et donc rapidement également, il faudrait qu'il y ait des études qui se mettent en place et qu'on puisse proposer des projets sur l'Assemblée pour qu'on puisse être prêt. Donc un schéma directeur. En ce qui concerne le projet de budget 2008, donc il y aura des propositions qui vont se faire également par rapport à ce secteur. Voilà, merci. Bien. Je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article premier. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 1 907 947 577, se décomposant ainsi. Section de fonctionnement, 731 012 232 francs. Section d'investissement, 276 935 345 francs, ce qui fait un total de 1 907 947 577 francs. La discussion est ouverte. Oui, Madame Merceron. Madame Maria, vous voulez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Oui, j'écoute depuis tout à l'heure les intervenants et j'ai l'impression que tout baigne, tout est bien. On parle d'une bonne santé financière. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la bonne santé financière, finalement, elle résulte peut-être d'un équilibre entre recettes et dépenses. Mais pourquoi? Ben parce que ces dernières années, on a augmenté les recettes et on augmente les dépenses. Moi, j'estime que ce n'est pas forcément un critère satisfaisant. Je suis désolée. On constate que l'IJSPF reçoit d'année en année plus de recettes parce que on augmente les taxes parafiscales, donc ce sont des taxes qui sont décidées par notre Assemblée, qui sont prélevées par notre administration, et c'est forcément le gouvernement qui est responsable de la pression fiscale. Donc nous assumons une responsabilité pour des dépenses qui augmentent. Moi j'ai relevé, en regardant un petit peu les choses dans le détail, que les recettes avaient augmenté de 64% en 2 ans. C'est quand même énorme, 2/3 en 2 ans. Que les recettes propres ne restent qu'à 3%, bon, on veut bien admettre, c'est un établissement public. Mais on note, on nous dit qu'on a besoin de personnel, que ce personnel a une faiblesse dans l'encadrement, effectivement, il n'y a que 4% de A et 13% de B, mais qu'on a embauché du personnel d'entretien, etc. Alors, a-t-on embauché le personnel pour encadrer et le travail de ces personnes, là ça deviendrait efficace, parce que à faire uniquement des embauches, moi j'estime que c'est pas forcément bien utiliser l'argent public. Ensuite, je voudrais noter qu'il est notoire que ce personnel n'est pas forcément d'une pleine efficacité. On me dit qu'il y a des gens qui font du sport pendant les heures de travail et qui après reçoivent des heures supplémentaires. Moi, je ne trouve pas ça tout à fait satisfaisant. Le téléphone, j'ai calculé une augmentation de 17% en une année. Le carburant, une augmentation de 70% en 2 ans. On aurait acheté des quantités de véhicules neufs, et ces véhicules ne sont pas forcément bien utilisés pour les services. Ils sont utilisés par l'encadrement, ils sont utilisés par le ministère. Donc, pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Je suis désolée de troubler vos jugements, mais pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Le personnel coûte 296 millions en 2006 et il me semble qu'on arrive à plus de 340 millions en 2007. J'aimerais savoir, en ce qui concerne les véhicules, s'ils sont effectivement utilisés pour les objectifs de l'IJSPF. Et je voudrais faire part également d'une autre observation. En lisant le compte-rendu de la commission, il est relevé quelque chose qui me paraît important. C'est que les communes ont des installations sportives qui coûtent cher en entretien et elles ont tendance, depuis des années, à glisser l'entretien de ces
installations communales vers l'IJSPF. C'est une constatation et évidemment cela fait que l'IJSPF a un patrimoine énorme qu'il est difficile d'entretenir et le poids de la charge est transféré sur le budget de la Polynésie. Là, il y a une question sur les compétences et les responsabilités respectives des communes et de l'IJSPF. Ensuite, je voudrais quand même évoquer quelque chose qui pose question, c'est justement le fait que, par exemple, les installations sportives de la commune de Teyarapu-Ouest ont été transférées aussi bien pour Teyarapu, Veirao et Toahotu dans le patrimoine de l'IJSPF au cours de l'année 2007, au mois de juin. On nous dit que c'est en vue des Jeux de Tahiti Nui pour que justement l'IJSPF remette tout ça à niveau. Bon, je pense que ce sont des choses qui sont importantes et je me dis, mais les communes vont continuer. Pourquoi une commune qui aujourd'hui consacre une partie de son budget à l'entretien de ses installations ne va pas aussi, elle, glisser vers l'IJSPF? Moi, il me semble que c'est l'occasion ou jamais de dire quelle est la politique qui est suivie. Donc, j'aimerais bien, Monsieur le Ministre, que vous répondiez à mes questions. Comment vous envisagez de mieux contrôler la gestion et l'activité de l'IJSPF et surtout faire en sorte que les moyens financiers considérables qui sont mis à sa disposition d'année en année, eh bien, comment envisagez-vous qu'ils soient bien utilisés et non pas en dépenses? Parce que je sache, carburant, téléphone et personnel, ça ne nous garantit pas que les installations vont être bien entretenues. Donc, j'aimerais que vous nous disiez comment vous envisagez de reprendre en main cet établissement parce qu'il y a en réalité une dérive financière considérable. Je voulais vous interpeller, mes chers collègues, parce qu'il me semble qu'on n'a pas regardé les choses exactement comme il fallait. Merci. Merci, Madame Merceron. D'autres intervenants sur l'article 1. Madame Tamara Bob-Dupont, vous avez la parole. Merci, Président. Je voudrais saluer tout le monde ici présent. J'aimerais prendre la parole pour soutenir toutes les remarques qui sont faites par notre collègue Armel Merceron. Et je voudrais dire que nous avons dénoncé également les dérives qui se sont passées à la poste. Et voici d'autres dérives. Ce n'est pas parce que je veux lancer des cailloux à différents ministres, mais il faut arrêter tout ça. Car lorsque nous avons entendu les groupes du milieu là nous dire que nous sommes les meilleurs, etc., eh bien, Madame Merceron vient de faire une remarque concernant la commune de Teyarapu-Ouest. Et donc, je voudrais dire à notre ministre de faire des contrôles très sévères, parce qu'on ne peut pas continuer de travailler comme ça. Je suis désolé, on ne peut pas continuer à travailler comme ça, de jeter l'argent par la fenêtre. Hein? Pensez à ceux qui n'ont rien. Je m'arrêterai jamais de dénoncer toutes ces dérives-là. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je n'aime pas les dérives des corruptions et compagnie. Il faut arrêter. On dit qu'on est des personnes propres, mais il y en a parmi nous qui n'arrêtent pas de faire des dérives. Ça suffit. Donc, je soutiens parfaitement tout ce que Armel vient de dénoncer. Et donc, c'est le travail de notre ministre actuel de faire des contrôles. Et lui, il fait des contrôles dans son domaine, ainsi que dans les autres domaines. Parce qu'on en a entendu des murs et des pas murs. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame Tamara Bob-Dupont. En fait, on dit des murs et des pas vertes, ou des vertes et des pas mûres. Monsieur Buissot, vous voulez prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. Je prends au vol la discussion sur les comptes de l'Institut de la jeunesse et des sports. On ne rentrerait pas dans le détail
du fonctionnement de cet établissement durant l'exercice 2006. Nous avons le rapport sous les yeux qui montre qu'il y a un excédent de recettes sur les dépenses. Je présume que rien que ce constat démontre l'équilibre de cette gestion. Mais puisque je viens d'entendre un certain nombre de critiques, l'exercice 2006, c'était sous la présidence de M. Oscar Temalu. J'essaie de m'en rappeler, c'est vrai qu'il y a à peine un an, c'était le gouvernement d'Oscar Temalu et le choix stratégique de son gouvernement et toutes les critiques qui fusent de part et d'autre, je présume, vont directement en premier lieu au président du gouvernement. Parce que c'est facile de dédouaner le président du gouvernement lorsqu'on veut critiquer directement un ministre. N'est-ce pas? Alors avant même de dire quoi que ce soit à Mme Bock-Dupont, réfléchissez un tout petit peu. Vous êtes en train d'affubler votre président d'incompétence. Là, on est d'accord avec vous, finalement. Voilà, merci. Bien. On va pas s'énerver avant le déjeuner, quand même. Je vous informe que nous serons servis en retard aujourd'hui. Donc, essayons de tenir le coup. Monsieur le ministre, vous voulez intervenir sur l'article 1 ? Oui ? Ah oui, non, mais allez-y, allez-y, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Oui, donc, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, donc, les installations de Teyarapu Est, c'est-à-dire de Veirao, donc, je remercie, bien sûr, madame Merceron pour la question. Les installations de Teyarapu Est de la commune ont été récemment affectées à l'IGSPF. Teyarapu Ouest, dans le cadre d'une convention spécifique, en vue des premiers Jeux des Îles du Vent, s'ils avaient eu lieu, s'ils auraient lieu, mais je ne sais pas, les installations donc sont affectées pour une durée de 10 ans. Donc il y a une convention qui a été mise en place avec l'IGSPF et la commune de Veirao. Pour ma part, il faut savoir que c'était une volonté politique, donc du ministre concerné, qui était bien sûr Carlin Vernaudon, qui est également maire de Veirao. Pour ma part, donc, il serait bien sûr judicieux de retourner ces installations à la commune. Ce qu'il faut savoir, il y a une étude qui a été faite. Normalement, au niveau de l'entretien, rien qu'au niveau de l'entretien de la salle et la mise à disposition du personnel, donc ça, on a évalué, je ne sais pas si on peut appeler ça la perte, de l'IGSPF à hauteur de 30 millions par an, soit 300 millions sur les 10 ans. Donc, pour ma part, donc, je compte mettre fin compte proposer, bien sûr, au conseil d'administration assez rapidement pour mettre fin à cette convention, pour permettre justement à l'IGSPF, il est vrai qu'il y a des travaux qui ont été lancés également cette année, il y a pour 70 millions de travaux pour la rénovation de cette salle polyvalente. Je pense que c'est une bonne chose pour répondre, bien sûr, à la demande des sportifs. Mais en ce qui concerne l'entretien et autres, il serait bien sûr souhaitable pour ma part que la commune de Teyarapu puisse récupérer la gestion des installations. Il y avait d'autres questions ? Et en ce qui concerne bien sûr la gestion, mes anciens collègues donc, qui étaient autres que Émile Vernaudon et Carlin Vernaudon, un qui était maire de Veirao et un autre maire de Mahina, il y a également une. Donc, il y a également une demande de la part de Mahina pour la mise à disposition de la salle polyvalente de Mahina à l'IGSPF. Donc, bien sûr, je ne compte pas répondre, pas parce qu'il n'est pas, il est plus dans la majorité, mais juste qu'il y a d'autres priorités. Je peux vous donner l'exemple de la salle de Fataoua qui accueille plus de 1000 gamins par jour. Vous verrez les toilettes, les douches, ça fait pratiquement 15 ans qu'ils ne marchent pas. Donc à court terme, ça sera bien sûr la priorité de l'IGSPF avant la fin de l'année. En ce qui concerne également la salle polyvalente de travaux qui est gérée par l'IGSPF également, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 1000 élèves qui utilisent la salle et le stade et il n'y a pas de toilette de prévu. Donc il y aura quand même des priorités qui seront
on va répondre aux priorités. Donc, j'ai eu l'occasion, bien sûr, de rencontrer le directeur de l'IGSPF avant la fin de l'année. Donc, il y a des priorités à répondre rapidement. Et ensuite, bien sûr, il faut également qu'on réorganise l'IGSPF, comme Mme Mercerand le disait bien. Je pense que l'IGSPF se doit de soutenir le mouvement associatif, que ce soit au niveau des fédérations sportives, au niveau des associations de jeunesse et sportives, en tenant compte, bien sûr, de leurs demandes. Et c'est ce que nous comptons faire. C'est pour ça que rapidement, je pense que le mois prochain, nous organisons un séminaire pour qu'ensemble on puisse répondre au mieux aux attentes du mouvement associatif, aussi bien au niveau de la jeunesse qu'au niveau du sport. Et je remercie bien sûr Mme Mercerand d'avoir posé la question. En ce qui concerne les voitures, il est vrai que mes prédécesseurs ont fait des demandes de véhicules. Donc je crois qu'il y a plus d'une dizaine de véhicules qui sont mis à la disposition de l'IGSPF. Je sais que le président du CA, donc le ministre des Sports, a droit à un véhicule, mais il y a d'autres, pour justement se rendre sur les installations, mais il y a d'autres véhicules également que certains agents de ministère utilisent. Et je pense qu'il est prudent, il vaut mieux que ce soit les agents de l'IGSPF qui puissent récupérer ces véhicules, et donc il y a juste un véhicule qui est mis à ma disposition au jour d'aujourd'hui. En ce qui concerne le personnel embauché, donc si certaines installations sont remises par la disposition, si on arrive, il va falloir qu'on essaie de voir pour qu'on puisse arrêter les conventions qui sont mises à disposition par rapport à certaines salles polyvalentes. Et ça nous permettrait certainement également de faire une économie en ce qui concerne la gestion du personnel. Ou sinon, c'est de revoir la structure de l'IGSPF pour pouvoir mieux répondre aux attentes du mouvement sportif. Moi-même qui étais président de la fédération sportive, vous pouvez visiter la salle de la fédération de boxe. Je peux vous dire que c'est dans un état catastrophique. Donc c'est pour cela qu'il y a certainement des priorités dans d'autres disciplines également. Donc je crois qu'il est intéressant d'avoir suffisamment de personnel, mais encore faut-il qu'on puisse répondre aux attentes de tout le mouvement associatif et sportif, quelle que soit leur tendance. Voilà, merci. Bien, je mets l'article premier au vote. Qui est pour? À l'unanimité, l'article premier est adopté. Article 2, Madame le rapporteur. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de 962 158 007 francs, se décomposant ainsi. Section de fonctionnement, 720 939 287 francs. Section d'investissement, 241 218 720 francs, ce qui fait un total de 962 158 007 francs. Pour l'article 2, y a-t-il des interventions? Je soumets au vote. L'article 2 est adopté dans les mêmes conditions. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2006 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit. En section d'investissement, en recettes, 731 012 232, en dépenses, 720 939 287, ce qui fait un résultat de 10 072 945 francs. En section d'investissement, en recettes, 276 935 345 francs. En dépenses, 241 218 720 francs, ce qui fait un résultat de 35 716 625. En total, recettes, 1 947 577 francs. En dépenses, total 962 158 007 francs et un résultat au total, résultat 45 789 570. Sur l'article 3, en intervention, Madame Tamara Dupont, vous avez la parole. Monsieur le Président, excusez-moi, je vais revenir un peu sur l'article, sur
les interventions que nous ont données notre ministre. Lorsque Mme Amel Masseron nous disait que les communes de Terre-Ouest ont mis à la disposition de l'IGSPF toutes les installations sportives leur appartenant à la disposition. Oui. Et les motifs qu'ils ont avancés, c'est pour les préparer les Jeux des Îles du Vent, les prochains Jeux des Îles du Vent. Alors, je suis un peu surprise d'apprendre ça. Pourquoi uniquement les communes de Terre-Ouest? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas alors toutes les communes de notre pays à la disposition? Eh bien, il faut annuler alors tout ce qui existe dans toutes les communes et donner la gestion à l'IGSPF. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est pour vous demander, mais pourquoi uniquement Terre-Ouest? Enfin, je connais les réponses, hein, c'est uniquement par politique politicienne. Monsieur le ministre vient de nous dire qu'il y a une convention qui est passée pour 10 ans. Quand on fait le calcul de l'entretien des installations sportives de la commune de Terre-Ouest, moi j'aimerais bien savoir combien ça va nous coûter, combien ça va coûter à l'IGSPF. Pendant 10 ans. Et si on peut, je demande au ministre s'il faut supprimer cette convention, il faut supprimer que chaque commune s'occupe de ses installations. Il a des fonds, toutes les communes ont un budget qui s'occupe de leurs installations et que l'IGSPF travaille pour le pays. Voilà ce que je voulais dire. Bien. Je mets au voix l'article 3. Même vote. Article 4. Madame Dupont, voilà. Allez, Madame Maraya, vous avez la parole. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006, soit un excédent de 10 072 945 francs, est affecté au compte 119, report à nouveau, solde débiteur. Sur l'article 4. 72 945. Pas d'objection. Article 4 est adopté. Même vote. Article 5, c'est l'exécution. Pas d'objection. Même vote. Sur la délibération. Même vote. La délibération est adoptée. Je vous propose donc de revenir maintenant au dossier dossier numéro 63-2007 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation des résultats en report à nouveau de l'établissement public des grands travaux, dont les rapporteurs sont M. Georges Anderson et Mme Lucette Taïro. Vous avez la parole, Mme Taïro, pour ce rapport. Oui. Puisqu'entre-temps, M. Georges Anderson est monté au gouvernement. Bien, M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 170 PR du 31 juillet 2007, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation des résultats en report à nouveau de l'établissement public des grands travaux. Alors, pour le rappel sommaire des missions et des moyens, succinctement donc pour les missions, donc vous savez que c'est un établissement public donc qui est devenu un EPIC le 24 octobre 2002. Donc, il est chargé de réaliser des ouvrages, des bâtiments, d'assurer des aménagements, d'assurer au bénéfice du pays et ses établissements publics toute prestation de service, pour la réalisation d'ouvrages et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous me permettrez d'être aussi succincte que ça pour l'émission, puisque nous sommes au courant de ce qui se passe dans cet établissement public. Tout au moins, nous connaissons très très bien l'émission de cet établissement public des grands travaux. Donc, je voudrais tout de même rappeler que les interventions de cet établissement peuvent s'effectuer dans le cadre de contrats passés avec là ou les personnes publiques qui confient donc à cet établissement, des tâches qui endossent sa vocation et notamment dans des conventions de mandat. Les interventions de l'établissement peuvent également s'effectuer dans le cadre de conventions de délégation de services publics.
Et cet établissement est administré jusqu'au 29 décembre 2006 par un conseil d'administration composé de 8 membres, présidé par le ministre de l'Équipement, les Transports terrestres et maritimes, les ports et aéroports. Les deux représentants de notre Assemblée qui sont membres de droit de ce conseil sont M. Gaston Flos et M. Jean-Christophe Buisson. Pour les moyens, en moyens humains, l'équipe en place au nombre de 25 au 1er janvier 2006, après 5 départs enregistrés en cours d'année, s'est renouvelée, agrandie de 8 nouvelles recrues, 6 agents de catégorie A, dont un chargé d'opération, 4 ingénieurs et un architecte, un de catégorie C en contrat à durée indéterminée et un CDD de catégorie A recruté pour un an. Les agents relevant du budget de l'établissement sont ainsi au nombre de 27 au 31 décembre 2006. Un agent demeure mis à disposition par la direction de l'équipement. L'effectif total s'en trouve porté à 28 agents répartis, comme l'indique l'organigramme synthétique suivant. Direction générale dans 4 personnes, une en catégorie A et 3 en catégorie C, pour le pôle administratif et financier 7 et pour le pôle technique 17. Concernant les moyens financiers, sont constitués de subventions, avances, fonds de concours attribués par l'État, la Polynésie française, les communes et les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ou privée, du produit de tout emprunt régulièrement autorisé, du produit des taxes affectées à son budget, du don et l'aide, du produit de la gestion de son patrimoine, la rémunération de ses prestations de services et de manière générale toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités. Pour autant qu'il était autorisé par l'autorité compétente, l'établissement peut placer ses fonds libres. On peut constater dans le tableau ci-après que les taux de répartition se distinguent sur les 3 exercices en augmentation de 11 points pour les avances et débours versés par le pays et en diminution de 13 points pour les taxes affectées de 2005 à 2006, soit 1 milliard de francs. Le premier sujet s'explique par le fait que les recettes constatées en 2006 au titre des débours intègre le 4e trimestre 2005, en plus de l'année entière 2006. Un recadrage des appels de fonds a en effet été effectué et un décalage d'un trimestre s'observant systématiquement d'une année sur l'autre. Le 4e trimestre 2005 forme un montant de 1,748,147,830 francs. Et pour la seule année 2006, les débours s'élèvent à 5,598,424,271 francs. La baisse d'un milliard de recettes provenant de taxes affectées indiquées en second point résulte de la désaffection de 55% de la taxe spécifique grand travaux et routes opérée au profit du pays dans le cadre de son budget primitif 2006. Les honoraires de maîtrise d'ouvrage délégués, vente de prestations de services, progressent de 1 point de 2005 à 2006. Cumulé aux revenus de placement, l'établissement parvient à couvrir totalement ses dépenses de fonctionnement et d'équipement propre. Alors, le tableau que nous avons, donc vous avez la désignation de tout ce qui est en 2004, 2005, 2006, pour le budget du pays, avances et débours sur intervention. Pour le compte du pays, vous avez en valeur 2004 3,608,415,338 francs. Pour les taxes affectées, alcool et tout, le tabac et tout, donc nous avons 2,464,342,813 francs. Les ressources provenant de la vente des prestations de services, 153,068,899 francs. Et autres ressources sur opération mode, MOD, 250,480,692. Et donc divers autres ressources, 26,497,147 francs. Ce qui donne un total pour 2004 de 6,502,914,889 francs. Pour 2005, vous connaissez donc la structure du tableau. Je vous donne donc le total en valeur 2005 de 9,335,116,088 francs. Pour 2006, un total aussi de 9,892,022,029 francs. L'effet marquant de l'exercice. L'année 2006 voit l'émergence de nouveaux dossiers, mais n'enregistre en définitive en termes de travaux que la poursuite de la construction du nouveau centre hospitalier, dont l'avancement du chantier permet aujourd'hui de confirmer une ouverture au public
à la fin du premier semestre 2008. Deux événements majeurs sont à relever au titre de l'année, s'agissant du projet de port de Faratia, dont l'étude économique a été rendue d'une part, et de la zone industrielle dont les travaux de remblaiement ont redémarré en juillet, après plus d'une année de blocage du site par les consorts Nahinhai et BA, d'autre part. L'ouverture de cette nouvelle opération confiée par le pays à l'établissement et de trois autres financés sur fonds propres fait l'objet de la première et seule modification de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'établissement. Il s'agit d'inscrire des crédits nécessaires pour les études concernant la réalisation de la troisième entrée ouest de Papété, les études pour la réalisation des transports en commun en site propre, à Via, à Roué, et la première phase de la route de Coteau, des Coteaux Tiperui au Rémou, le raccordement routier au centre hospitalier, les acquisitions foncières pour la rocade de travaux, les travaux de la rocade de travaux, la maison de la Perle à Paufei, le projet urbain d'agglomération de Papété, l'extension des bureaux de l'EGT et les annexes au nouveau centre hospitalier. Ainsi, les opérations conduites en 2006 par l'établissement des grands travaux sont réparties de manière suivante. En maîtrise d'ouvrage délégué, le nouveau centre hospitalier, construction, nouveau centre hospitalier en équipement, le port de Faratea, aménagement portuaire, étude des accès, la route des collines pour Avia, tunnel aménagement routier Grand Vaïété, aménagement carrefour avenue Pressineuil, rue des Remparts, étude pour la réalisation de la troisième entrée ouest de Papété, transport en commun en site propre pour Avia, Aroué, étude, la route des Coteaux, première phase Tiper Huy, Orémo, raccordement au centre hospitalier route, rocade de travaux, acquisition foncière, rocade de travaux, travaux, maison de l'appel Paufei. En maîtrise d'ouvrage, Faratea, aménagement de la zone d'activité, remblai et aménagement Toata et Paufei, parking et aménagement place Jacques Chirac, aménagement front de mer, étude de finition, acquisition foncière et aménagement, restructuration aéroport de FAA, étude de finition, projet urbain agglomération de Papété, extension bureau EGT, annexe nouveau centre hospitalier. Le montant définitif du budget de l'établissement après modification au cours de l'exercice se porte à section de fonctionnement 2 100 120 000 francs, section d'investissement 12 070 000 000, total brut 14 170 120 000, virement entre sections 1 672 070 francs et un total net de 12 498 050 000 francs. L'examen du compte financier, exécution du budget de l'exercice. Dans les grandes masses, à la clôture de l'exercice 2006, le compte financier de l'établissement se présente comme suit. Pour la section d'investissement en recettes, 7 374 823 654 francs. En dépenses, 6 067 290 059 francs. Et en résultat donc positif de 1 307 533 595 francs. Pour la section de fonctionnement en recettes, 2 517 198 375 francs. En dépenses, 319 942 345 francs. Et donc un résultat positif en fonctionnement de 2 197 256 030 francs. Pour les totaux en recettes, nous retrouvons donc 9 892 022 029 francs. En dépenses, 6 397 232 404 francs, et donc des résultats investissement fonctionnement de 3 407 789 625 francs. L'exécution du budget 2006 fait ainsi apparaître un résultat global de 3 504 789 625 francs, constituant un accroissement du fonds de roulement et portant celui-ci à la somme de 12 745 973 912 973 912 francs. Ce fonds de roulement est en partie constitué d'une part revenant au pays, s'agissant des opérations confiées à l'établissement pour lesquelles ce dernier a perçu des avances de fonds. Le montant exact est indiqué ci-après. Donc, les éléments déterminants du résultat, compte de résultat en charge 2004, 2005, 2006 et en produit pour les mêmes années,
Donc, je vais, s'il vous plaît, non pas que je sois assez méprisante, mais nous sommes sur le compte 2006, vous pouvez donc lire le total des charges 2004, total des charges 2005, ce qui nous donne en 2006 un total de charges de 2 milliards, un solde positif d'ailleurs, de 2 milliards 517 198 375 francs pour les produits. Donc, je vous fais grâce de la lecture pour les totaux en produits 2004, produits 2005, pareil, mais ça nous donne donc en 2006 un total positif de 2 milliards 517 198 375 francs. Pour les résultats intermédiaires, désignation, donc résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel et totaux. Donc je passe sur les valeurs en 2006 qui sont donc de l'ordre de 2 197 256 030 francs. Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus, l'établissement enregistre un solde créditeur de 2 197 256 030 francs. Pour l'exercice 2006, comparativement à 3 147 828 778 francs en 2005 et 2 324 801 867 francs en 2004. Ce solde créditeur provient, comme pour les exercices précédents, des produits d'exploitation composés des taxes affectées à l'établissement des grands travaux, des ventes de ses prestations de services. Il permet en définitive de financer une partie des dépenses propres de fonctionnement et d'équipement de l'établissement, les études et travaux d'investissement menés en maîtrise d'ouvrage. Dans le détail, le produit des prestations couplées à celui des revenus financiers, formant le montant global de 494 312 902 francs, a permis de financer la totalité des dépenses propres de l'établissement, soit en dépenses de fonctionnement, 319 942 345 francs, en dépenses d'équipement, 15 749 714 francs, soit un total de dépenses propres de l'établissement de 335 692 059 francs. Le reliquat obtenu permet également de couvrir la participation de l'EGT représentant 33% dans le capital social de la société Maevanoui, soit 26 400 000 francs. Le produit des taxes affectées a permis le financement des études et travaux menés. En maîtrise d'ouvrage, Fratea, Remblai de la zone industrielle, 193 150 476 francs. Remblai et aménagement Toata et Pofé, 66 992 933 francs. Parking et aménagement Place Jacques Chirac, 59 354 441 francs. Concernant aménagement parking Maïété, construction de l'immeuble du bureau EGT et l'aménagement avenue Brua, en face vous avez 0 francs pour ces trois opérations. Pour le front de mer, aménagement 90 024 778 francs. Acquisition foncière et aménagement 16 922 880 francs. Et restructuration aéroport à études de définition 18 948 francs. Soit au titre des opérations sur fonds propres, 426 464 456 francs. Les avances et débours opérés par le pays ont permis l'avancement des opérations. En maîtrise d'ouvrage délégué, nouveau centre hospitalier, construction 5 485 827 142 francs. Le nouveau centre hospitalier équipement, 33 683 102 francs. Pour le port de Fratea, travaux portuaires, première phase des études, 77 083 885 francs. Voie rapide ouest Tiaranoui, 316 610 francs. Tunnel aménagement routier Grand Vaïété, aménagement Carrefour, avenue Pressineux et rue des Remparts, en face vous avez 0 francs. Études pour la réalisation de la troisième entrée ouest de Pape-Été, 933 000 francs. Et le raccordement au centre hospitalier pour la route, 832 150 francs. Ce qui nous porte donc au titre des opérations conduites pour le pays à 5 598 615 889 francs. Le montant général des dépenses de l'établissement public des grands travaux au titre de l'exercice 2006
s'élève à 6 387 232 404 francs. Au 31 décembre 2006, il est constaté un accroissement du fonds de roulement de l'ordre de 3 504 789 625 francs. Pour l'évolution de la structure financière de l'établissement, le bilan fonctionnel ci-dessous permet d'apprécier l'état de la structure financière de l'établissement sur les trois exercices. Et je vous demande donc de... Je pense que vous avez même déjà les petites connaissances de ce tableau. Donc on peut constater une augmentation de l'actif immobilisé en 2006 par rapport à 2005. Les dépenses réalisées au titre des opérations propres à l'établissement s'établissant à 426 millions de francs contre 472 millions en 2005. Comme indiqué précédemment, les travaux de remblaiement de la zone industrielle de Faratea n'ont pu reprendre qu'en mi-année après levée des barrages et les travaux d'aménagement du front de mer. Et les travaux d'aménagement du front de mer n'ont pas vu leur démarrage prévu fin d'année. Les ressources enregistrent une hausse consécutive aux résultats positifs de l'exercice venant augmenter les capitaux propres. On peut souligner enfin l'augmentation de l'actif circulant et des dettes à mesure des réalisations d'investissements opérés pour le compte du pays en maîtrise d'ouvrage délégué. Il convient de noter à ce sujet que le passif excède l'actif, signifiant que l'établissement est redevable au pays, notamment du montant des avances perçues au titre des opérations conduites, déduction faite des débours réalisés non encaissés. Pour l'évolution des fonds de roulement, du fonds de roulement de l'établissement des grands tableaux, il s'établit ainsi qu'il suit. En 2004, 2005 et 2006, 2004, 5 529 196 412 francs. En 2005, 9 241 184 287 francs. En 2006, 12 745 973 912 francs. Comme évoqué antérieurement, le fonds de roulement intègre la part du pays au titre des opérations conduites en maîtrise d'ouvrage délégué, soit au 31 décembre 2006, 3 921 millions de francs CFP composés d'avances reçues au titre des opérations suivantes. Pour le nouveau centre hospitalier construction, 2 496 millions. Le nouveau centre hospitalier équipement, 275 millions. Pour la voie rapide ouest et Aranoui, 300 millions. Tunnel et aménagement routier Grand Vaïté, 300 millions. Et l'aménagement du carrefour Essor, 300 millions. Soit donc un total de 3 671 millions de francs. Et, deuxièmement, de la revente du matériel du chantier de construction du nouveau centre hospitalier à 250 millions. Donc, le fonds de roulement propre de l'établissement s'élève ainsi à 8 824 973 912 francs. Compte tenu du plan pluriannuel des investissements adopté par le conseil d'administration de l'établissement, notamment des projets financés sur fonds propres, ce fonds de roulement constitue un moyen d'action confortable. Pour l'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2006, l'établissement public des grands travaux présente un résultat global positif de 3 504 789 625 francs. Ce solde bénéficiaire constitue un accroissement du fonds de roulement de l'établissement et l'établit à 12 745 973 912 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2006. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2006, d'un montant de 2 197 256 030 francs, il est affecté au compte 110 report à nouveau, lequel s'établit au 31 décembre 2006 à 10 916 124 189 francs. Donc, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, je vous demande donc, au nom de la commission de l'aménagement de l'espace naturel, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente, pour le rapport en question. Merci, Madame le rapporteur. Je constate qu'il n'y a pas le ministre de l'Équipement pour défendre ce dossier, mais nous tenons à saluer la présence aujourd'hui du directeur de l'établissement des grands travaux, M. Éric Noble-Bleu-Demey, que je demande d'ailleurs de venir prendre la place des techniciens
Je compte sur sa présence pour pouvoir prendre en compte toutes les demandes et de nous transmettre peut-être après par écrit sous bouée de son ministère les réponses aux questions que nous allons lui demander. Alors, nous allons passer à la discussion générale. Avant tout, je veux avoir l'avis de l'Assemblée. C'est l'avant-dernier dossier que nous sommes en train d'étudier. Je sais qu'il est midi déjà. Je pense qu'il serait peut-être opportun pour nous, avantageux pour nous, de finir les deux dossiers. Comme ça, tout le monde va que cet après-midi pour aller un peu prendre des couleurs au soleil avant de revenir demain matin. C'est un ami, tout le monde est d'accord, hein? Bon, ok, on y va alors. Alors, discussion générale sur le GT pour le groupe Polynésien Ensemble, votre premier intervenant. Merci. L'établissement public des grands travaux a suscité quelques polémiques qui sont certainement à rapprocher des sommes importantes qu'il manipule et de la forte progression d'une part de son actif qui passe de 18 milliards en 2004 à 36 milliards en 2006. D'autre part, de son fonds de roulement qui atteint 12 milliards en 2006 alors qu'il était de 5 milliards en 2004. Et enfin, du report à nouveau qui double entre 2004 et 2006 pour atteindre les 10 milliards. Jusqu'à présent, deux philosophies s'opposaient. L'une défend l'autonomie financière de l'EPIC et l'autre ne souhaite pas que soient affectées des taxes directement au compte de celui-ci. Heureusement, la nouvelle entente des ennemis d'hier va certainement gommer ce différend concernant le financement des EPIC. Au-delà de la gestion de l'établissement public des grands travaux, c'est son existence même qui peut être remise en cause dans la mesure où les objectifs initiaux à l'origine de sa création ne sont plus respectés. L'EGT ne doit pas être un outil politique au service d'un parti ou d'un homme. Cette EPIC doit uniquement se focaliser sur la réalisation des infrastructures indispensables au développement économique de la Polynésie française, objectif fixé par l'exécutif. Son efficacité a même été reconnue en commission par M. James Salmon, bien qu'il estime aussi qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Un tel établissement public offre la possibilité de prendre plus rapidement les décisions et permet de réaliser des économies d'échelle. Bien évidemment, cela doit se dérouler en dehors de toute intervention politicienne. Mais il est aussi important de ne pas porter atteinte aux entreprises privées qui sont dans le même secteur d'activité. Il est donc indispensable que la commande publique, importante pour l'équilibre économique de la Polynésie française, alimente ce secteur. Le nouveau centre hospitalier, le projet de Faratea, le front de mer sont des projets qu'il faut mener à leur terme et l'EGT en a la possibilité technique. Cependant, nous devons être très vigilants devant l'importance des sommes manipulées par cet établissement qui ne doit pas commettre d'erreurs dans ses choix. Merci de votre attention. Merci, Madame Fuller. Pour le temps, Rahoui Datira. Merci, Madame la Présidente. Donc, je ne vais pas être très longue. Je ne vais pas revenir effectivement sur les objectifs qui étaient visés lorsque l'on a créé l'établissement pour les grands travaux, dont je rappelle qu'il a commencé ses activités en janvier 2003. Je voudrais simplement rappeler que sa création était destinée à venir soutenir l'activité de la direction de l'équipement, puisqu'on crée un établissement public et un EPIC en particulier, on donnait à cet établissement l'autonomie financière et un petit peu plus de liberté d'action, je dirais, pour qu'il travaille plus rapidement que un service administratif comme la direction de l'équipement. Il y avait donc complémentarité et l'EGT, comme son nom l'indique, avait pour vocation de réaliser les grands équipements structurants à l'aube du troisième millénaire. Et là, je reprends ce qui avait été dit à l'époque de la création de l'établissement.
Je crois que le meilleur exemple de la mise en œuvre de ces objectifs est bien la réalisation de l'hôpital sur laquelle on a beaucoup salivé, mais dont nous constatons en passant tous les jours devant qu'il est au stade des finitions et il devrait s'achever en septembre 2000, plutôt en deux, oui, dans le courant de l'année 2008. Néanmoins, je voudrais revenir à l'activité de l'exercice 2006 et noter qu'effectivement, on sent bien qu'il y a eu un coup d'arrêt, un ralentissement très net de l'activité de cet établissement en 2005-2006. En témoigne ce que Mme Fouler a rapporté en ce qui concerne les disponibilités, les fonds de roulement qui ont considérablement augmenté, et la polémique que nous avons eue ici pour savoir s'il fallait réduire les financements affectés, prélever les ressources. Et nous avons toujours dit que la réponse était plutôt de relancer l'activité de l'établissement pour véritablement réaliser ces grands équipements. Or, je constate, en lisant le bilan d'activité 2006, que l'on nous dit que 2006 a vu l'émergence de nouveaux dossiers, mais uniquement au stade des dossiers, des études, mais n'enregistre en définitive, en termes de travaux, c'est-à-dire de réalisation, que la poursuite de la construction du nouveau centre hospitalier, dont l'avancement du chantier permet aujourd'hui de confirmer une ouverture au public à la fin du premier semestre 2008. On sait également que pour ce qui concerne le grand projet de Pharathéa, il y a eu un coup d'arrêt parce qu'on a remis en question les orientations en 2005-2006, parce qu'il y a eu des problèmes de blocage du site. Et je regrette l'absence effectivement du ministre de l'Équipement. Moi, j'avais toute une série de questions que je voulais lui poser pour savoir comment il envisageait l'activité de l'EGT, quel choix il envisageait de faire, puisque je pense que maintenant on peut dire que ça suffit les travaux et les études, il faut vraiment passer à la réalisation. Alors je vais quand même évoquer les questions que j'envisageais de lui poser. Pour ce qui concerne l'hôpital, je rappelle qu'il y avait au courant de l'année 2006 et en 2007 entre 500 et 600 personnes sur le chantier. Où on en est aujourd'hui, maintenant que le gros œuvre est achevé et qu'on en est aux finitions? Est-ce qu'il y a plus de monde ou pas? Je rappelle également que cela faisait l'équivalent de 500 à 600 millions de travaux par mois, à chaque fois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'aurais voulu lui poser des questions également sur ce que l'on appelle l'hospital, qui est la maison d'accueil des malades et de leurs familles lorsqu'ils ne sont pas à l'hôpital. J'ai vu que le terrain avait été nettoyé récemment. Quand est-ce que commenceront les travaux? Et surtout, comment a-t-on résolu le problème de la gestion de cet établissement? Qui va gérer l'établissement? Parce qu'une chose est de construire, mais nous savons très bien que là où nous sommes moins bons en général, c'est pour la gestion. Donc je voudrais savoir qui va gérer cet établissement. J'ai une autre question pour l'hôpital. On a beaucoup parlé de la climatisation par l'eau froide. Or, dans les journaux, on peut voir une annonce pour la création donc d'une société, si je ne me trompe pas, et je voudrais savoir quels sont les choix qui sont faits en matière de montage financier, puisque je crois savoir qu'il faut très vite prendre la décision de savoir si on climatise par l'eau froide ou pas, et surtout comment on va organiser financièrement et juridiquement le montage de cela. Il ne faudrait pas que ce soit l'hôpital qui assume l'essentiel du coût du fonctionnement, et donc je voudrais savoir si on a l'intention d'étendre cela à d'autres collectivités, et notamment le lycée polyvalent autour et d'autres collectivités. J'aurais voulu aussi lui demander où en était des aspects juridiques de la gestion de la zone d'activité portuaire et industrielle de Pharathéa.
puisque là aussi, il ne suffit pas de construire, il faut encore organiser l'activité. J'aurais voulu l'interroger aussi sur les aspects juridiques que posent les travaux sur le réseau routier dans les îles, et notamment dans la commune de Bora Bora, où, à l'occasion de la réfection de la route territoriale, qui est absolument nécessaire, on est amené aussi à intégrer le réseau de l'eau potable, de l'électricité. Or, ça, c'est une compétence de la commune. Alors, comment juridiquement on a organisé les choses? Et enfin, je voudrais savoir où on en est du projet de gare maritime. Il était question de reprendre rapidement les travaux. Et enfin, s'il pouvait nous confirmer que la zone de remblai entre le parking Chirac et la place Toata va bien être, si cette zone va bien être prête pour le début de l'année 2008 sous la forme d'un parc, si j'ai bien compris, paysager et de parcours sportif. Voilà, donc il y avait beaucoup de dossiers sur lesquels j'aurais voulu avoir l'avis du ministre. De même, la question des financements. Est-ce qu'il a demandé à son collègue des finances de réduire encore les taxes affectées à l'EGT ou de laisser le statu quo? Voilà, donc merci monsieur le directeur, si vous pouvez relayer toutes ces questions qui vont rester aujourd'hui sans réponse. Merci. Merci Madame Merceron. Pour le groupe UPLD, Monsieur Carlson. Merci Madame la Présidente, chers collègues Yorana. L'établissement public des grands travaux, plus connu sous l'acronyme GT, ne déroge pas à sa règle de conduite cette année encore. Créé en 2001, il est devenu un établissement à caractère industriel et commercial dès la fin de l'année 2002. Le GT a donc un véritable épique chargé, notamment des ouvrages, bâtiments, aménagements destinés à l'usage public et autres prestations concernant le bâtiment en général. D'après les fonctions que notre rapport rappelle bien, le GT est un établissement public quasiment autonome, puisqu'il a toute possibilité d'acquérir pour son propre compte ou pour celui d'une personne publique à l'acquisition de biens d'équipement et de matériel de toute nature. Aussi, le GT peut être présent à toutes les étapes de la réalisation d'un projet immobilier public, de l'achat des matériaux à exploitation et la gestion d'ouvrages. Le compte financier de le GT est clair et empreint d'une gestion saine. Bien que cette EPIC dispose d'un actif de 37 milliards et d'un produit total de 2,5 milliards, ses charges d'exploitation ne présentent un montant de 320 millions, soit 13% du total des charges. Le GT a généré un résultat créditeur d'un montant de 2,2 milliards, qui est au même niveau de celui de 2004. Mais vous allez peut-être me faire remarquer qu'il a décru d'environ 1 milliard de francs par rapport à 2005, conséquence de la désaffectation de 55% de la taxe grands travaux, opéré au profit du pays dans le cadre du budget primitif 2006. Des affectations qui a été tant décriées lors de l'étude du budget primitif par l'opposition de l'époque pour, en fin de compte, réaliser que cette diminution de recettes n'a aucun cas ni en péril les finances de l'EGT, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, il a fait un bénéfice de 2 milliards d'euros. De plus, son fonds de roulement est passé de 9 milliards d'euros à 12 milliards 7. Les rapporteurs concluent correctement leur rapport en écrivant « Compte tenu du plan pluriannuel des investissements adoptés par le conseil d'administration de l'établissement, notamment des projets financés sur fonds propres, ce fonds de roulement constitue un moyen d'action confortable. » Je répète, ce fonds de roulement constitue un moyen d'action confortable. Mis à part cette remarque, je trouve que les comptes de l'EGT sont clairs et précis. Les objectifs sont poursuivis. La gestion de ces fonds par cette éthique est saine et rigoureuse. Je ne peux donc que m'associer au rapporteur pour adopter ce projet de délibération Marulu.
Merci, M. Carlson. Y a-t-il d'autres intervenants? Plus personne, hein? Tout le monde est fatigué, tout le monde a faim. Nous allons passer à la délibération. Article 1er. Madame la Présidente, pour l'article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 9 892 22 029 francs. Ce décomposant en section de fonctionnement, 2 517 198 375 francs et en section 2 des opérations de capital, 7 374 823 654 francs, un total donc de 9 892 22 029 francs. Nous passons à la discussion sur l'article 1er. Aucune discussion. Nous passons au vote. Qui est pour? Monsieur Buisson. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour notre rapporteur. Les taxes qui ont été désaffectées à l'EGT et affectées au tronc commun budgétaire du pays auraient dû faire l'objet de versements, je dirais, au FIP d'une partie de cette taxe, puisque dans l'instant où on l'intègre au niveau du budget du pays, toutes les recettes sont déclarées pour le calcul du fonds intercommunal de péréquation. Est-ce que cela a été fait? Merci. Je suis désolé, M. Buisson, ces questions-là qui n'ont pas été évoquées déjà en commission, et je sais qu'en principe, vous, ça fait la deuxième intervention, non pas que je vais éluder ce que vous venez de dire, votre question est pertinente, je suis désolé de vous dire que je n'en sais rien. Et cette partie-là, je sais qu'en commission, ça a été le ministre, l'ex-ministre, on va dire, M. James Salmon, qui a répondu à nos différentes interventions au cours de notre commission d'aménagement. Et je suis désolée qu'il ne soit pas là, je ne suis pas le ministre, je suis désolée de vous répondre. Et si vous voulez bien, je transmettrai ça au ministre actuel et puis il dira si ces taxes-là ont été affectées au FIP. Mais ce que je ne pense pas, puisque ces recettes-là sont directement affectées à l'EGT, me semble-t-il. Mais je ne veux pas amener de polémique là-dessus. Et je voudrais vous dire, je ne sais pas ce que vous êtes en train de me chercher depuis ce matin, et je trouve ça stérile, Madame la Présidente. Non pas que je veux éluder, hein, encore une fois, mais là, je suis dans la possibilité de vous répondre parce que je n'en sais rien. Merci. Merci, Madame Théron. En tout cas, depuis ce matin, je vous ai prévenu que toutes vos questions, toutes les réponses à vos questions seront transmises par Monsieur le directeur à travers le ministère. Et nous espérons que nous aurons toutes nos réponses, ainsi que à celles de vous, Monsieur Buisson, par écrit à la prochaine séance. Oui, Monsieur Buisson. Je voudrais, Madame la Présidente, rassurer Madame le rapporteur. Si le ministre avait été là, j'aurais posé la question au ministre. Enfin, comme il n'y a aucun membre du gouvernement sur le siège du gouvernement, c'est vraiment pitoyable. Je pose forcément la question au rapporteur qui a eu la charge de présenter son rapport. Mais il n'y voyait absolument pas d'autre chose de notre part. Oui, oui. Je l'entends bien. Pardon, Madame la Présidente, étant rapporteur du dossier. En fait, vous avez raison, M. Buisson, parce qu'en concertation avec mon collègue, M. Anderson, comme personne ne voulait présenter, il fallait donner des noms, M. Anderson avait préparé lui-même ce dossier. Voilà comment ça s'est passé, pour être un peu dans notre cuisine interne de commission. Et entre-temps, il y a eu les événements que nous connaissons, et M. Anderson est monté. Du coup, je me retrouvais cette semaine avec ce dossier en cours, et je vous avoue que je n'ai pas fait plus que d'être un simple rapporteur, je vais dire la rapporteuse idiote, parce que je ne fais que lire. Je suis désolée de vous répondre ainsi. Mais vous avez raison, c'est le rapporteur qui, en principe, devrait défendre le dossier, mais en concertation, encore une fois, avec le ministre en question. Mais bon, je suis désolée, Madame la Présidente. Merci, Madame Taïro. Le sujet est clos. Sur l'article 1er, on passe au vote qui est pour. À l'unanimité, l'article 1 est adopté. Article 2.
le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 6 387 232 404 francs, se décomposant en section de fonctionnement 319 942 345 francs, en section 2 des opérations capitales 6 067 290 059 francs, ce qui fait un total de 6 387 232 404 francs. La discussion est ouverte sur l'article 2. Monsieur Briand, sur l'article 2. J'ai bien retenu, Madame la Présidente, et mon intervention ne sera nullement polémique. C'était par rapport à ce qui avait dit tantôt par Madame Merceron, qui laissait entendre que les travaux réalisés à Bourbourg actuellement auraient été en partie où il y aurait une participation de l'EGT. Je me souviens que lors du débat que nous avons eu au moment du vote sur le budget primitif, nous avions voté un crédit payé de 200 millions et pour un montant global de 300 millions en AP. Donc je ne vois pas quel est le rapport avec la situation de la route aujourd'hui ou des travaux d'aménagement compte tenu de ce dispositif que nous avions acté. Et je ne vois pas quel est le rapport avec le GT. Donc c'était pour comprendre, est-ce qu'entre-temps, le GT serait intervenu sur la question des routes, des aménagements de Bourbourg. Voilà, Madame la Présidente. Je crois que je suis resté dans le créneau que vous souhaitiez. Merci, Monsieur Briand. Y a-t-il d'autres intervenants? Personne ne veut intervenir. Nous allons passer au vote de l'article 2. Même vote. Article 2 adopté. Article 3. Le résultat du compte financier de l'établissement public des grands travaux pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Pour la section de fonctionnement, en recettes, nous avons donc 2 517 198 375 francs d'inscrits. On dépense 319 942 345 francs, un résultat de fonctionnement de 2 197 256 030 francs. Pour la section d'investissement en recettes, nous avons 7 374 823 654 francs, en dépense 6 067 290 059 francs, ce qui fait donc un résultat positif de 1 307 533 595 francs, un total en recettes de 9 892 022 029 francs. En dépenses, nous avons un total de 6 387 232 404 francs et un résultat positif de 3 504 789 625 francs. Merci, Madame Taïro. Article 3. Allons passer au vote. Même vote, l'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006, soit un excédent de 2 197 256 030 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau, solde créditeur de 2 197 256 030 francs. Article 4. Aucune intervention. Passons au vote. Même vote. Article 4 adopté. Article 5. Il s'agit donc de l'exécution de la présente délibération. Le président de la Polynésie française est donc chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 5, même vote. Article 5 adopté pour l'ensemble de la délibération. Même vote. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons au dernier rapport portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat au report à nouveau de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire. Présenté par Monsieur et Madame Roberto Territeo et Emma Maraya. C'est Roberto. Monsieur Territeo, vous avez la parole. Par lettre numéro 314 PR du 8 novembre 2006, le président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de la Chambre de l'agriculture
et de la pêche lagunaire. Rappel des missions et des moyens. La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagunaire est un établissement public administratif qui constitue auprès du pouvoir public l'organe consultatif et représentatif des intérêts des agriculteurs, éleveurs et forestiers compris, et des pêcheurs lagunaires ainsi que des activités annexes ou assimilées s'y rattachant. Ses attributions ainsi que son organisation et son fonctionnement sont fixés par l'arrêté numéro 331-CM du 9 mars 1998, modifié. Moyens de personnel. Les effectifs de l'établissement ont évolué comme suit. En effectif, en 2003, il y a un total de 32 personnes. En 2004, 27 personnes. Et en 2005, 26 personnes. Les moyens financiers. On produit en 2003 151 202 651 francs en dons subvention de la Polynésie française, 143 324 000. En 2004, 146 038 096 francs. Et en subvention de la Polynésie, 143 324 francs. En 2005, 170 872 442. Et en subvention, 166 millions. Examen du compte financier. Les grandes masses. Récapitulatif des opérations du compte financier 2005. En recettes, en section de fonctionnement, 170 872 443 francs. En dépenses, en section de fonctionnement, 119 959 256 francs, qui fait un résultat en section de fonctionnement de 50 millions, positif de 50 913 187 francs. En section d'investissement, 2 259 772 francs. En dépenses, 2 583 040 francs, qui fait un résultat de moins 323 268 francs, qui fait un total en section de fonctionnement investissement de 173 132 215 francs. En dépenses, 122 542 286 francs, et qui fait un résultat positif de 50 589 919 francs. En recettes, vous avez un petit tableau et les années dedans que je vous invite à lire silencieusement. Oui, monsieur, excusez-moi, monsieur Roberto Tenitéo, oui. Justement, j'allais aborder dans votre sens, à savoir pour la lecture de notre projet. On va demander à tout le monde d'arriver au tableau, de faire une lecture silencieuse de tous les tableaux qui ont été liés dans le rapport. Merci bien. Les recettes d'investissement s'élèvent à 2 259 712 francs. Et sont constitués uniquement par une inscription obligatoire au titre des amortissements. En dépenses de fonctionnement reprises dans le tableau ci-après sont comparées à celles des années précédentes. Vous avez le tableau que je vous invite à lire silencieusement. Pour l'exercice 2005, les charges d'exploitation ont diminué de 3,68% par rapport à l'exercice budgétaire précédent. Cette évolution s'explique par une baisse de dépenses en frais de personnel, moins 4,66% en frais d'assemblée, moins 4,4% et en sous-traitant, moins de 0,15%. En outre, il est observé une augmentation des achats de consommables de 31,41%. En 2005, la dépense en investissement a été effectuée pour renouveler une partie de matériel informatique volé, acheter du mobilier et réaliser des travaux d'aménagement. Il convient cependant de relever que le matériel volé a été retrouvé en bon état de fonctionnement et qu'il a réintégré le parc informatique, les éléments déterminant le résultat. Le total en 2005 en charge, 170 872 443 francs en produit. En 2005, total 170 872 443 francs. Et en résultat intermédiaire, un total de
positif de 50 913 187 francs. Tel qu'il apparaît au compte des résultats simplifiés ci-dessus, les cédants obtenus dans la section de fonctionnement s'expliquent par des charges d'exploitation inférieures aux produits. En effet, certaines dépenses budgétisées n'ont pas été réalisées, compte tenu notamment du recrutement tardif du personnel et de la mise en place, de mise à disposition du personnel de service du développement rural, dont le salaire est encore payé par le service d'origine. Par ailleurs, en termes de produits, des recettes exceptionnelles ont été réalisées par l'établissement pour un montant de 4 557 443 francs. Les résultats des cinq dernières années sont repris ci-dessus. Vous avez le tableau. Le total en 2001, moins 8 257 008 francs. En 2002, moins 7 296 721 francs. En 2003, 14 828 028 francs. En 2004, 20 667 786 francs. En 2005, 50 913 187 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les cinq derniers exercices. Vous avez le tableau. Le bilan de l'établissement pour 2005 fait apparaître au passif capitaux propres un montant de 133 750 427 francs détaillés comme suit. Compte 110 report à nouveau sur le créditeur, un montant de 82 813 240 francs. Au compte 120 résultat de l'exercice de bénéfice, un montant de 50 913 187 francs. Et au compte 103 bien remis en plein propriété de l'établissement, un montant de 24 000 francs. Affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire présente un résultat global excédentaire de 50 589 919 francs, soit moins 323 268 francs pour la section d'investissement et plus 50 913 187 francs pour la section de fonctionnement. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. Vous avez encore le petit tableau, je vous invite à lire silencieusement. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2007 est excédentaire de 50 913 187 francs et est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris acte des résultats des comptes financiers, les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. La discussion générale est ouverte pour 45 minutes. J'invite le premier intervenant du groupe Tawira Huiratira à prendre la parole. Monsieur Veidaro, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame et Monsieur les représentants, bonjour. Les comptes de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaise sont excédentaires depuis l'année 2003. Cette situation financière est encourageante au regard des années passées qui ont vu des résultats financiers négatifs. Mais le vrai problème de cette Chambre réside dans des questions plus fondamentales et qui touchent au rôle et à l'utilité réelle de cette institution auprès des agriculteurs et des pêcheurs. Tout d'abord, auprès des pêcheurs, il est un fait avéré que la CAPL n'intervient quasiment pas auprès de cette profession. Il serait plus honnête d'enlever le terme « pêche lagonnaire » du titre de cet établissement. Ceci serait alors plus conforme à la réalité. Concernant la partie agricole, il faut faire le constat que le fonctionnement de cette chambre n'est plus adapté aux besoins de nos amis agriculteurs et éleveurs. En effet, la CAPL est administrée par des agriculteurs et des éleveurs qui ont des préoccupations quotidiennes de commercialisation et autres considérations liées à la rentabilité et à la pérennité de leurs exploitations. Lorsque vous lisez le rapport financier, vous pouvez deviner la difficulté de ces administrateurs de la Chambre à entrer dans ce monde administratif. Ces aspects procéduriers et réglementaires sont bien loin des préoccupations quotidiennes de production, de commercialisation, de quotas d'importation et de protection phytosanitaire qui intéressent nos amis
qui œuvrent avec difficulté dans le secteur primaire. De ce fait, vu les ordres du jour qu'ils ont présentés, les conseils d'administration de la CAPL ont tendance à être de simples dialogues entre les administratifs présents au sein de ce conseil à titre consultatif, tels le contrôleur des dépenses engagées, le commissaire du gouvernement, l'inspecteur général de l'administration, le secrétaire général de la Chambre et le représentant du ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs ont tendance à être des spectateurs passifs au milieu de ces échanges hermétiques à leurs yeux sur ces considérations d'ordre essentiel administratif. Cette difficulté à participer aux travaux du conseil d'administration montre et prouve que cette institution aborde très peu le sujet qui touche véritablement la profession. Aussi, la valeur ajoutée apportée par les élus de la Chambre est marginale pour le fonctionnement de la Chambre. D'ailleurs, à la lecture du rapport financier et du rapport d'activité, nous n'apprenons rien sur les actions et les résultats produits par la Chambre au profit des agriculteurs et des éleveurs. Il n'y a que des généralités qui n'apportent aucun éclairage sur les problèmes des agriculteurs et les actions correctives réalisées. Je pose donc un problème de fond qui va au-delà des considérations de gestion. Je pose désormais la question de l'utilité réelle de cette Chambre au profit des agriculteurs et des éleveurs. Bien entendu, il ne s'agit pas dans mon esprit de supprimer purement et simplement cette Chambre, sans chercher une autre structure dans laquelle les professionnels du secteur peuvent enfin exprimer leurs préoccupations sans subir les affres et les arcanes de la chose administrative. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Veil-Aroy, pour le deuxième intervenant du groupe UPLD. Madame Auxiliaire Bouzi-Hararo. Oui, Madame Bouzi, vous avez la parole. Merci, là. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Yorana, nous savons tous que la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire est un outil incontournable mis à la disposition des professionnels du secteur primaire, notamment en matière de réglementation administrative et technique. Cet établissement public administratif est basé sur le principe de représentation des intérêts de l'ensemble des acteurs des deux secteurs et occupe une place prépondérante dans le processus de croissance de ces derniers, tout en assurant l'équilibre entre les décisions des pouvoirs publics et les besoins des professionnels. Ces deux secteurs d'activité regroupent principalement de petits exploitants, artisanaux ou familiaux. Aussi, il me paraît nécessaire de rappeler l'aspect important que revêt ce secteur primaire d'activité qui, je dois le rappeler, constitue la troisième et quatrième ressource au sein du tissu économique de notre pays. Au-delà des interventions du pays sous forme de dispositifs d'aide, DDA, DSP, CSC, EPIC, VANI, ont contribué à l'émergence des équipements collectifs, de même que l'initiative individuelle ou corporatiste des porteurs de projets, trouveront une oreille attentive auprès des bailleurs de fonds en accédant au microcrédit. Par ailleurs, la volonté de développer et moderniser ce secteur doit s'articuler autour des 5 thèmes principaux suivants. La centralisation et la commercialisation de la production des professionnels, l'amélioration et le suivi de la qualité de l'alimentation de notre population, la gestion d'une manière durable des ressources naturelles et de la biodiversité, la formation et l'animation des hommes afin d'assurer le défi des 20 prochaines années et surtout la revalorisation du secteur primaire, trame de base du tissu social et économique de tous les archipels. En effet, dans le tome 3 du rapport du président de l'Assemblée de la Polynésie française que nous avons tous reçu, les missions et moyens de la Chambre sont des plus explicites. Des programmes existent, mais néanmoins, leur mise en œuvre est des plus aléatoires du fait des changements réguliers des gouvernements successifs. Peut-être que la faiblesse des anciens présidents de la Chambre vis-à-vis des ministres en est pour quelque chose, n'ayant pas été assez persuasifs et actifs auprès de ceux-ci, à moins tout simplement qu'ils aient été bridés dans leurs actions. Il est vrai que la politique agricole de notre pays se heurte aux très nombreux problèmes fonciers, techniques et de commercialisation des produits. Je pense que, malgré tout,
L'ensemble de ces problèmes font que cet établissement peut faire beaucoup mieux, avec une meilleure coopération, tant avec le service de développement rural qu'avec le ministère concerné. Pour être cohérente dans ses objectifs, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaise doit faire face efficacement aux défis permanents d'une société de consommation toujours plus exigeante, aussi bien sur le plan sécurité sanitaire, avec la réglementation et l'emploi des pesticides, que sur la gestion et la prévention des risques alimentaires. Enfin, pour conclure mon intervention, le compte financier 2005 de cet établissement public présente une situation saine, dont le reliquat à hauteur de 51 millions de francs augmente sensiblement son fonds de roulement, le portant ainsi à 114 millions de francs. Cette situation excédentaire se définit par une évolution exceptionnelle de recettes, soit plus 17%, et des économies en dépenses du personnel. Toutefois, et seule ombre au tableau, une note en marge du rapport d'activité stipulant tout de même l'indélicatesse de certains employés en souffrance d'encadrement mérite une application stricte et sévère des sanctions administratives prévues par le Code du travail. Seule ombre à ce rapport. Aussi, chers collègues, j'émets un avis favorable en faveur de l'approbation de ce compte financier. Maroud Farou Amin. Merci, Madame Hadid Aro, pour le groupe Polynésie Ensemble. Madame Parker. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaise, établissement public à compétence générale, est le porte-voix des professionnels ruraux. Ses missions de conseil, d'assistance, de formation et de promotion des produits de la terre et de la pêche ne peuvent qu'être appréciés. Ainsi, en 2005, ce ne sont pas moins de 1444 cartes professionnelles qui ont été délivrées, soit 1444 nouveaux entrepreneurs susceptibles de donner des emplois pour nos jeunes. Et on peut, à côté de cela, miser raisonnablement sur les diplômés de la licence agricole, ouverte l'année dernière au service de la formation continue de l'Université de la Polynésie française, afin qu'il redore le blason de ce secteur économique cher à nos îles, tant délaissé par nos différents gouvernements et pour ne pas dire en crise concernant le secteur de la pêche. L'année 2005 a été marquée par trois grands domaines d'action pour la Chambre. Outre le suivi et la tenue du registre de l'agriculteur et de la pêche lagonnaire, elle n'a pas failli à sa mission de conseil aux agriculteurs. Ces conseils sont d'autant plus appréciés qu'ils permettent aux moins initiés comme aux anciens d'actualiser leurs connaissances dans le choix des cultures et des variétés selon leur rendement et selon les spécificités climatiques de l'île, ou encore dans le choix des procédés d'amendement et des techniques d'irrigation. Sur un plan plus administratif, les conseils de la Chambre, prodigués par l'intermédiaire de ces 7 agents de terrain, ont été des plus indispensables dans l'instruction de leurs demandes de prêts dans les banques ou de leurs constats agricoles auprès des assurances. Enfin, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire nous a fait la preuve en 2005 de son activisme au travers de sa participation à la foire agricole et dans l'organisation de visites pédagogiques des exploitations pour des élèves. Pour autant, cette analyse des comptes soulève quelques interrogations et j'aurai une question à poser à Monsieur le ministre, qui n'est pas là, dommage, en charge de l'agriculture. Pour l'année 2006, c'est-à-dire pour l'année dernière, un budget de fonctionnement de 166 millions a été reconduit, accouplé à une subvention de 50 millions et à un prélèvement sur le fonds de roulement. La Chambre devait ainsi, selon les perspectives qu'elle avait dressées dans son bilan d'activité 2005, disposer de fonds conséquents afin notamment de se donner les moyens pour réorganiser ses services par la budgétisation de postes de techniciens d'encadrement, dont deux postes de catégorie A,
3 postes de catégorie B et 3 de catégorie C. Force est en effet de constater que les frais de personnel de 2002 à 2004 n'ont cessé de baisser faute de renouvellement des effectifs. De 133 029 324 francs en 2002, on est passé à 100 654 780 francs, soit une variation de moins 24,33%. Or, les besoins des agriculteurs et pêcheurs sont là. Pour la rentabilité de leur récolte ou de leur campagne, ils ne pourront avancer sans être guidés sur cette voie. Aussi, je vous pose la question, quand bien même nous considérons que le secteur de l'agriculture ne saurait être négligé de par son fort potentiel en matière d'emploi, notamment dans les îles, a-t-il été précédé effectivement en 2006 et pourquoi pas aussi en 2007 aux embauches d'agents qualifiés comme disposés dans le bilan d'activité 2005? Donc, nous voterons favorablement à ce projet de délibération, mais nous estimons aussi devoir faire l'objet d'éclaircissements sur les effectifs de la Chambre. Merci. Merci, Madame Parker. Y a-t-il d'autres intervenants sur la discussion générale? Plus personne ne veut prendre la parole. Ben, comme l'ancien, le précédent dossier, nous remarquons aussi, nous constatons qu'il n'y a pas de ministre aussi venir répondre à nos questions. On n'aura qu'à se poser entre nous-mêmes nos questions et avoir nos propres réponses. C'est tout le constat que je puisse faire concernant cette délibération qui est autant aussi important pour tous nos agriculteurs, pour tous nos pêcheurs qui sont quand même et qui nous, et sans arrêt, presque quotidiennement, nous appellent, nous demandent des informations. Je pense que c'est un avis général que nous émettons aujourd'hui, qu'on prenne un peu plus d'importance au dossier que nous faisons passer ici au sein de notre hémicycle. Monsieur le rapporteur, nous allons passer à la délibération. Article 1er. Article 1er, le montant définitif des recettes des comptes financiers de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 173 132 215 francs, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 170 872 443 francs. En section d'investissement, 2 259 772 000 et qui fait un total de 173 132 215 francs. Madame le Président. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Je suppose qu'il n'y a plus personne qui veut parler, à part le rapporteur. Nous allons passer au vote de l'article 1er, qui est pour, à l'unanimité, l'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses des comptes financiers de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 122 542 286 francs, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 119 959 256 francs. En section d'investissement, 2 583 040 francs, et qui fait un total de 122 542 286 francs. Article 2. Même vote. Article 2 adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire pour l'exercice 2005 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En section 1, fonctionnement, en recette, 170 872 443 francs. En dépenses, 119 959 256 000, qui fait un résultat positif de 50 913 187 francs. En section 2 d'investissement, en recette, 2 259 772 francs. Et en dépenses, 2 583 040 francs. Et qui fait un résultat négatif de moins 323 268 francs. En total, en fonctionnement et en investissement, en recette,
173 132 215 francs. Et en dépenses, 122 542 296 francs, et qui fait un total positif de 50 589 519 francs. Article 3, aucune discussion, même vote. Article 3, adopté. Article 4. Article 4, le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 soit un excédent de 50 913 187 francs. Est affecté au compte 110 report à nouveau sur créditeur, 50 913 187 francs. Article 4, même vote. Article 4, adopté. Article 5. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 5, même vote. Article 5, adopté pour l'ensemble de la délibération. Même vote. L'ensemble de la délibération est adopté. Alors, il est presque 3 heures. Nous allons suspendre pour... il est presque 13 heures. À moins que vous voulez qu'on continue. Donc, nous allons suspendre nos travaux aujourd'hui pour aller déjeuner et la reprendre demain matin à 9 h. La séance est suspendue.